Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence ce soir organisée par la gauche anticapitaliste. La gauche anticapitaliste, c'est une organisation marxiste révolutionnaire dont vous pouvez trouver plus d'infos sur notre site internet. La conférence de ce soir, elle porte sur l'antiracisme et l'anticapitalisme et dans l'actualité d'aujourd'hui. Et pour discuter de ce sujet très important, on a un panel de super intervenants et intervenantes que je vous propose que je vous présente directement. Donc d'abord, Khadija Senhadji. Khadija, tu es militante antiraciste et décoloniale. Je ne t'ai jamais rencontrée personnellement, mais j'ai pu beaucoup lire tes analyses politiques qui portent notamment sur le racisme d'État, sur l'islamophobie, le statut des binationaux. Et c'est aussi important de mentionner que tu es membre du comité Free Ali Arras et que la lutte continue là actuellement, notamment autour de la question du statut des binationaux, dont tu pourras probablement plus nous parler. Bienvenue et merci d'être là ce soir. Nous avons aussi Henri Goldman autour de la table. Bonjour Henri, je suis aussi contente de te rencontrer dans le cadre de cette conférence. Henri, toi tu es membre administrateur de l'UPJB, l'Union progressiste des Juifs de Belgique, hein, qui existe depuis un certain nombre d'années. Et tu as cofondé Taïouch. En 2010, hein, Taïouch, qui est un réseau de réflexion pour un pluralisme actif. Peut-être que tu pourras nous en toucher deux mots. En tout cas, c'est intéressant de savoir ce qui a fait que ça s'est créé en 2010. Bienvenue Henri et à tout de suite. Alors, ensuite, on aura les interventions de Joëlle Sambi. Joëlle Sambi, tu es écrivaine, poétesse, slameuse et militante assidue contre l'oppression des personnes LGBTQI+. Tu es aussi militante décoloniale et c'est un grand plaisir de t'accueillir ce soir. Jia Orassar, tu es journaliste. Tu portes, et je pense que c'est aussi important de dire que tu portes et tu construis Café Congo depuis un certain nombre d'années, un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de débat, mais aussi un lieu de ressourcement, hein, donc un lieu qui arrive à faire tout ça en même temps. Pour moi, c'est important de le mettre particulièrement en avant à ce contre-là, et donc c'est aussi un lieu de mémoire. Ensuite, Emmaël Puissant, tu es membre de la gauche anticapitaliste. Tu participes activement à la commission antiraciste au sein de la gauche anticapitaliste. Et donc, on aura le plaisir de terminer avec ton intervention. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je préviens les personnes qui nous regardent qu'à la fin enfin, pas à la fin, hein, après les interventions de nos intervenants, nos intervenantes, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à déjà les laisser en commentaire dans le live Facebook. On les récolte et on les adresse à nos intervenantes après leurs interventions. Voilà. Alors, on va directement commencer dans le vif du sujet avec Khadija. Khadija, c'est à toi la parole, 15 minutes. Merci en tout cas pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus concise possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire du coup en 15 minutes, mais j'aurai l'occasion évidemment de revenir sur certains éléments dans la discussion. Mais donc pour commencer, les grandes mobilisations antiracistes auxquelles on assiste aujourd'hui de manière et qui ont lieu de manière un peu transnationale. Elles évoquent, selon moi, la montée en puissance de ce que j'appelle en fait les dignités noires et les dignités non blanches, sachant que ces mobilisations, elles sont en grande partie portées par les premiers concernés, par les premières victimes du racisme. Et dans le contexte belge, ben, il y a eu cette grande mobilisation du 7 juin qui a permis d'adresser de manière assez spectaculaire la question de la négrophobie structurelle en Belgique et des crimes policiers. Et donc ces mobilisations, elles interviennent dans notre contexte, dans un contexte de déni colonial qui est quand même très profond, avec son corollaire qui est le tabou
raciale et l'impensée raciale qui structure un peu nos sociétés, et cela même alors qu'on est en train de sortir de cette séquence un peu particulière qu'on vient de vivre et qui est celle de la pandémie et du confinement, qui a permis en fait de mettre à jour déjà le caractère prégnant en fait de cette question raciale qu'on n'a pas envie d'aborder de front, puisque cette période de confinement, avec cette question des confinés, des non-confinés, a permis de voir de manière assez vive la dimension extrêmement racialisée de notre économie. Elle a permis également de mettre à jour la question sécuritaire et la gestion coloniale qui s'applique aux quartiers dits populaires et qui a abouti à la mort, au meurtre du jeune Adil, que Dieu et son âme. Et donc tout à coup, maintenant, alors qu'on a connu jusqu'à présent un aveuglement assez intense à cette question raciale, tout à coup on a l'impression qu'on la découvre en fait, que la société majoritaire la découvre avec force, et il apparaît tout à coup évident que les races existent, puisque selon l'expression de Sadri Chiari, les races existent lorsqu'elles luttent, puisqu'elles luttent. Donc, une fois qu'elles luttent, ben, on sait qu'elles existent. Et donc, cet état de fait crée un peu une sorte de sidération qui suscite de la curiosité. Il y a pas mal de débats, d'échanges par rapport à la question du racisme, par rapport à la question du déboulonnage des statuts qui structurent l'actualité. Et cette sidération, elle est aussi doublée d'une forme d'effroi, d'une forme d'inquiétude qui se manifeste notamment à travers des questions telles que: est-ce que les Blancs peuvent encore participer à la lutte antiraciste, qu'est-ce qu'il en est du racisme anti-blanc, etc. Et donc, tout ça montre un peu l'inculture profonde, en fait, de notre société, enfin de notre pays, mais ce n'est pas le seul. Je pense que c'est un peu… d'autres pays européens sont également dans le cas, comme la France, par rapport à la question du racisme, et aussi, surtout, l'insensibilité par rapport à l'action des militants et des collectifs militants qui luttent sur ces questions-là et sur le terrain de l'antiracisme politique depuis déjà de nombreuses années. Donc, il n'a pas fallu attendre le meurtre atroce, ignoble de George Floyd pour voir des militants actifs sur toute une série de questions extrêmement importantes sur ce terrain-là. Et donc, tout à coup, on les découvre alors qu'un certain nombre d'entre eux ont été pendant toutes ces années disqualifiés, même pointés du doigt, réduits au silence et pas pris au sérieux dans les questions qu'ils portaient et qui les concernent directement. Et donc tout ça révèle aussi l'ampleur du décalage qu'il y a avec l'antiracisme dominant, qui est un antiracisme moral, on le sait bien maintenant, qui est basé plutôt sur la pédagogie, les bons sentiments, les relations interpersonnelles, comme si il suffisait de soigner ces relations, de prendre garde à ne pas susciter la peur de l'autre pour que le racisme finalement recule, alors qu'on sait bien en réalité, et c'est ça la question qui est adressée avec force aujourd'hui, que le racisme est au contraire… Bien sûr, il impacte et il imprègne les relations interindividuelles à un moment donné, mais avant tout, le racisme, c'est une question de rapport de domination, de rapport de pouvoir qui touche aux structures sociales et politiques profondes en fait, d'une société. Frantz Fanon disait: une société est raciste ou ne l'est pas. Et dans le cadre d'une société coloniale, eh bien, le racisme est profondément enraciné, il structure l'ensemble des rapports sociaux, et finalement la Belgique, elle n'échappe pas à ce constat et cet état de fait, parce que sachant surtout que la Belgique n'a pas fini de compter, de rendre compte en fait de son passé colonial extrêmement sanguinaire. Donc voilà. Alors, quel est le lien dans l'actualité qu'on voit entre des questions comme les violences policières, entre le déboulonnage des statues coloniales qui font référence à des grandes figures coloniales comme Léopold II? Eh bien, c'est précisément la dimension systémique du racisme, dimension qui structure donc l'ensemble de la société, puisque lorsqu'on se prend à ces statuts, et au statut notamment de Léopold II, qui est la figure tutélaire coloniale en Belgique,
Eh ben, il est bien évidemment question de s'attaquer à la propagande coloniale et de vouloir rétablir une forme de vérité historique, l'enjeu étant de pouvoir qualifier les crimes coloniaux pour ce qu'ils ont été, à savoir des crimes contre l'humanité. Mais ce geste, il ne charrie pas seulement le passé, il est inscrit éminemment dans le présent, puisque ce passé, c'est un passé présent en fait colonial qui est toujours à l'œuvre à travers différentes formes de colonialité, de pouvoir, de l'être, du savoir. Et donc ce geste vise aussi et surtout à renverser un système de domination politique qui est basé sur l'hégémonie blanche et qui produit encore aujourd'hui des effets extrêmement vivaces, comme notamment dans le cadre des crimes et des violences policières, mais également dans toute une série d'autres secteurs de la société, que ce soit l'accès à l'emploi, l'accès à l'enseignement, le logement, et puis aussi le traitement nécropolitique qui est réservé aux exilés, aux réfugiés aux frontières de l'Europe, et le sort qu'il leur est réservé dans la Méditerranée où leur corps s'amoncelle par milliers depuis maintenant des années. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le racisme, en réalité, il est adossé à la structure de pouvoir et il est intrinsèquement lié à l'État parce que l'État est le lieu privilégié de production ou d'exercice plutôt du pouvoir. Alors, quand on parle de racisme d'État, je sais que certains en Belgique et même ailleurs ont un peu du mal avec cette notion-là. Et surtout en Belgique, où on est dans un État fédéral, où effectivement on n'a pas un État centralisé qui est extrêmement fort comme dans d'autres pays comme la France. Mais il n'empêche que, malgré cette structure institutionnelle et politique tout à fait particulière, le racisme et enfin, le fait qu'il se perpétue à travers le temps, tout ça est rendu possible à travers l'action de la puissance publique, quel que soit le niveau de pouvoir finalement qui est visé. Et c'est véritablement la puissance publique qui permet, par les dispositions qui sont prises, législatives, institutionnelles aussi, de permettre finalement que des groupes soient assignés à des places au niveau social, politique, symbolique, etc. Et donc, pour en revenir au cas des violences policières qui fait un peu l'actualité, mais ces violences policières, finalement, elles sont d'une certaine façon rendues possibles par les dispositifs répressifs et sécuritaires qui sont adoptés à différents niveaux de pouvoir. Je pense notamment au plan Canal qui a été adopté dans la foulée des attentats de Bruxelles et qui a permis en fait le contrôle de dizaines, de centaines en fait de domiciles de ménages musulmans et d'associations qui étaient soupçonnées d'avoir une coloration vaguement ou de manière affirmée islamique. Je pense notamment aux opérations Medusa qui institutionnalise la chasse aux migrants, et c'est dans ce cadre-là, il faut le rappeler, que le meurtre de la petite Maouda, donc une fillette de 2 ans, a été tuée. Et puis, de manière plus récente, comme j'en parlais tout à l'heure avec le meurtre de Adil, ben, évidemment, durant le confinement, le fait que la police se soit vue octroyer ce rôle de veiller au respect des règles du confinement et donc toute la latitude que ça laisse. Et là, on a bien vu les dérives que ça a donné avec des attitudes extrêmement permissives dans les quartiers aisés et des attitudes extrêmement sévères et répressives dans les quartiers plus populaires, notamment en région bruxelloise. Et ces violences policières, elles ne peuvent se perpétuer que si elles sont garanties, s'il aurait garanti finalement aux policiers, aux corps policiers, une impunité. Et effectivement, ça c'est tout à fait le cas parce que si on s'en réfère, et c'est tout à fait d'actualité, aux récents propos de Peter de Crème, ben lui il nie en bloc le racisme au sein de la police. Et il assimilait les plaintes contre la police à, je cite, une contre-stratégie de groupes criminels. Donc ces propos, ils visent véritablement à blanchir la police, c'est le cas de le dire, à lui octroyer une immunité de fait,
une impunité, quelles que soient les exactions et les crimes commis. Et donc, c'est d'une certaine façon un blanc-seing, en fait. C'est une manière de l'encourager aussi à continuer, puisque aucune conséquence ne sera. Voilà, il n'y aura aucune retombée, quels que soient les actes et la gravité des actes qui ont été posés. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend effectivement que c'est véritablement au sommet de l'État. C'est le rôle que l'État donne en fait à la police et la manière dont l'État et ses représentants protègent la police qui permet en fait la perpétuation de ces crimes policiers. Donc là, on est vraiment au cœur de cette notion-là de racisme d'État. Alors, je vais prendre un autre exemple puisque Roxane, tu citais le cas d'Ali Arras en introduction. Mais là, effectivement, on est dans un autre cas de figure qui donne un autre exemple et un autre angle d'approche de ce racisme d'État qui réside cette fois-ci dans les mesures législatives fédérales qui sont adoptées. Et là, donc, c'est toujours en lien avec la lutte contre le terrorisme. Ces mesures, par exemple, de déchéance de nationalité qui posent en fait une double peine, puisque non seulement on est puni d'emprisonnement, mais en plus, une fois qu'on sort de prison, on est déchu de sa nationalité lorsqu'on est binational. Des mesures législatives aussi comme la modification du code consulaire et qui, en visant les binationaux de manière très spécifique, finalement les condamne à une position de sous-citoyenneté et de citoyenneté de seconde zone parce qu'ils n'ont plus le même statut qu'un national qui, lui, jamais ne sera soumis à cette double peine et jamais ne pourra être délaissé par l'État belge s'il lui arrivait malheur ailleurs qu'en Belgique. Et donc là, véritablement, l'État, en fait, se positionne en faisant une distinction qui est coulée dans le droit entre ces nationaux, qui sont blancs, on va le dire d'un point de vue racial, et ces binationaux, essentiellement les Belgo-Marocains, puisque ce sont eux initialement qui sont visés par ces dispositifs-là, puisqu'on parle de la lutte contre le terrorisme, mais on se rend bien compte finalement qu'après, ça peut toucher d'autres groupes de binationaux. Et donc la volonté, c'est véritablement de dire, même si vous possédez la nationalité belge, mais vous resterez d'une certaine façon un corps illégitime dans la nation, quel que soit votre statut national. Et donc là, on est véritablement dans le cœur du racisme d'État. C'est exactement pour cette raison que, au nom du comité Free Ali et d'Ali et Farida Arras, la question a été adressée à la Cour constitutionnelle la semaine dernière, puisque il y a de toute évidence une différence de traitement entre les nationaux et les binationaux qui est à l'œuvre et qui est vraisemblablement contraire en fait aux principes de la Constitution. Et donc, si les juges sont un minimum sensibles à ces questions-là, ils devraient normalement statuer en faveur de l'abrogation du code consulaire et donc de cette distinction en droit entre nationaux et binationaux. Donc voilà, tout ça, je ne vais pas multiplier les exemples, mais on pourrait en citer d'autres, le cas des jeunes filles voilées, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient d'être rendu, etc., etc. Alors, dans les questions qui étaient posées, il y avait le fait de savoir si il y a un ou plusieurs racismes. Alors, à mon sens, il y a une matrice idéologique qui est au fondement du racisme et qui repose sur l'idée d'hégémonie blanche, puisque le racisme est inscrit, il a une historicité, il est inscrit dans les processus en fait et les processus historiques d'esclavage et de la colonisation. Donc c'est véritablement cette différence et cette opposition ontologique entre le blanc qui jouit d'une valeur supérieure et le noir, le nègre et l'indigène qui est ramené finalement à un statut de sous-humain, qui n'est même plus en fait bénéficiaire d'une humanité pleine et entière. C'est à partir de là que la genèse du racisme naît. Et puis, petit à petit, avec le colonialisme et la, enfin, oui, la généralisation en fait de la pratique coloniale à toute une série
d'empires et de pays, cette hégémonie blanche, finalement, elle va se répandre de manière globale à l'ensemble de la planète, aidée en cela aussi par le développement du capitalisme et du mode de consommation capitaliste. Et donc, dans ce cadre-là, la hiérarchie raciale va toucher un certain nombre d'autres groupes qui, eux aussi, vont intégrer en tant que race définie en tant que telle, cette hiérarchie, et se voir attribuer, assigner à des places sociales, politiques, attribuer des caractéristiques spécifiques en tant que groupe social désigné en tant que tel. Donc la genèse, elle est celle-là. Après, les modalités d'expression du racisme sont spécifiques en fonction du contexte sociopolitique. Donc, pour ça qu'on parle de négrophobie, d'islamophobie, de romophobie, donc le racisme anti-rom, l'antisémitisme, qui sont des racismes à la fois spécifiques et concordants en certains points, comme dans le cadre des violences policières, qui, on le voit, touchent aussi bien des jeunes hommes noirs que arabes. Alors voilà, on me dit que je suis arrivée au bout, je pense, de mon quart d'heure de temps de parole. Il y a énormément de choses encore que j'aurais aimé pouvoir développer. Je vais juste peut-être prendre une minute pour dire ceci s'agissant de l'islamophobie. Mais on sait que c'est un racisme qui repose finalement sur la construction d'un ennemi qui fait peser une menace, qui ferait peser une menace civilisationnelle, c'est-à-dire la figure du musulman barbare qui ne partage pas les mêmes valeurs que les occidentaux et qui aurait comme velléité d'imposer sa vision du monde au reste de la planète. Et les ressorts de ce processus de racialisation ont notamment servi de prétexte de guerre aux pays musulmans auxquels on assiste depuis une quarantaine d'années, depuis en substance la révolution iranienne en 79. Mais ces ressorts sont aussi à la base de la construction de la figure du musulman comme ennemi de l'intérieur au sein même des pays occidentaux. Et donc, c'est un ennemi qu'il faut pouvoir dompter et soumettre, d'où les dispositifs répressifs qui sont spécifiquement adressés à cette figure-là, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et puis, il y a l'autre versant de la figure, c'est l'exemple, enfin le versant civilisationnel avec la lutte pour l'émancipation des femmes, puisque si ces personnes-là ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, l'un des points de distinction, ce serait justement sur l'axe de l'égalité homme-femme, et donc il faudrait pouvoir sauver ces pauvres femmes qui sont soumises à la domination de leur mari, leur frère, leur père et à l'aliénation du patriarcat. Et donc là, je ne vais pas revenir sur l'exemple de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on pourrait y revenir plus tard, mais d'un point de vue symbolique, tout ça pour dire en fait que sur ces questions-là de racisme, à la fois de négrophobie et d'islamophobie, qui structurent quand même beaucoup en fait le racisme d'État actuel en Belgique, il y a une image symbolique pour moi, c'est le Palais Royal. Les deux flancs en fait du Palais Royal, il y a la statue équestre, la grande statue équestre de Léopold II d'un côté, et puis de l'autre, sur l'autre flanc du Palais Royal, c'est la statue équestre de Godefroy de Bouillon. Alors deux figures, une figure coloniale, une figure suprémaciste, qui montrent l'enracinement et l'historicité à la fois de la négrophobie et l'islamophobie structurelle. Voilà. Mais on reviendra plus tard sur les stratégies de lutte et sur les liens avec capitalisme et anticapitalisme. Tout à fait. Un tout grand merci, Radia, pour ton intervention qui voilà décortique le racisme d'État et aussi la répression et les violences policières. Et effectivement, on pourra revenir sur le. Tu l'as mentionné déjà. Hein, on a senti le lien avec le capitalisme en parlant de l'emploi, de logement. Et puis là, à la fin, tu parles aussi du fémonationalisme. Hein, donc cette stratégie aussi du racisme via soi-disant la lutte pour l'émancipation des femmes. On pourra, et en lien aussi avec le néolibéralisme, généralement on oublie de le mentionner, mais tout ça est interpénétré. On y reviendra dans les questions, on y reviendra aussi après les interventions des intervenantes. On fera un petit tour si vous avez envie de rebondir, donc ce sera aussi l'occasion de placer une ou deux choses. Mais je cède directement la parole à Henri Goldman.
Bon, comme je suis un garçon discipliné, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur la dernière séquence parce que ce n'était pas ce qu'on m'avait demandé. Donc, j'ai reçu des questions d'Amel. Je vais essayer d'y répondre et je ne vais pas y répondre complètement. Je vais laisser des blancs puisque ce n'est pas possible autrement et c'est très intéressant pour le débat. Je commence par un point d'accord avec quelque chose sur lequel Khadija est revenue à plusieurs reprises. Après, je vais m'écarter de ce qu'elle dit, mais pas parce que je suis en désaccord avec elle, mais parce que je vais parler un peu d'autre chose. Alors, là où j'ai un point d'accord tout à fait avec elle, c'est sur la définition du racisme. C'est la première question qu'Amel a posée. Et le racisme, alors j'ai mis ça, j'ai écrit, les discours et les actes qui hiérarchisent les groupes humains et le racisme des positions dans une pyramide raciale, ces positions peuvent être dominantes, subalternes et intermédiaires. Et quand on dit ça, effectivement, on parle d'un système ou d'une structure. Alors, je n'aborde pas les nuances qu'il y a entre racisme structurel, institutionnel et d'État. C'est un débat intéressant, mais qui est quand même très, très fort, terminologique. Mais en tout cas, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on est là dans un phénomène qui dépasse la volonté individuelle des gens. Et j'avais envie de poser une sous-question auquel je ne vais pas complètement répondre, parce que c'est quelque chose de très compliqué, compliqué pour moi, compliqué pour les gens qui doivent discuter avec les hésitants. Qu'est-ce que c'est le racisme? Ce n'est pas trop compliqué, mais qu'est-ce que c'est qu'un raciste? C'est nettement plus compliqué. Parce que si on parle de racisme structurel ou institutionnel ou d'État, ça veut dire que c'est... Non, d'État, ça va. Là, on voit bien d'où ça vient. Mais le racisme structurel, c'est quelque chose qui émane d'une société, presque indépendamment de la volonté de chacun. Hein? Un propriétaire qui ne va pas vouloir louer à un noir parce que ça fait baisser la valeur de son bien, à côté de ça, il peut parfaitement être, très honnêtement, tout à fait scandalisé par la mort de Mahouda. L'affaire est compliquée. Et si je soulève ça, c'est que c'est un peu plus compliqué dans la manière de militer, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce qu'il existe un racisme ou des racines? Là aussi, je suis assez proche de Khadija. Donc, moi, je vais directement à ma synthèse, à mon résultat. Je dirais qu'il y a un racisme avec des formes différentes. C'est pas quelque chose auquel j'étais arrivé tout de suite, cette histoire-là. En fait, j'y ai tranché dans ce sens-là. C'est une bonne copine, Michèle Siboni, de l'Union juive française pour la paix, qui me fait basculer. Et ça se retrouve dans un document que l'UPJB a sorti il n'y a pas tellement longtemps. Au début, j'hésitais tout à fait. Et quand on a rédigé ce document, on passait parfois différentes formes de racisme à des racismes. Jusqu'à présent, j'utilisais très régulièrement des racismes parce que nous, disons comme juifs, on a un problème particulier. C'est que, enfin les juifs dans notre genre, quoi, c'est que on en a un peu plein le dos du statut particulier que l'antisémitisme a dans tout le discursif autour du racisme. Donc, le mouvement antiraciste est créé par, disons, des blancs progressistes. Hein. Les autres, les pas blancs progressistes, ils n'avaient juste rien à dire. Hein. Et donc, les premières associations... C'est la LICRA, c'est la première, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Puis après la guerre, on a eu, donc là on est dans l'espace français, qui est très particulier, et donc nous sommes en Belgique une succursale. Puis on a eu le mouvement, le MRAP, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, qui a changé de nom après. Et puis nous avons toujours en Belgique, avec le même logiciel, le MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et donc l'antisémitisme était sorti de ça. Même déjà avant la guerre, donc c'est même pas l'influence du génocide nazi. Hein, et donc ça peut vouloir dire deux choses. Et en fait, on a joué sur les deux choses. Ça pouvait vouloir dire que l'antisémitisme était un petit peu une aristocratie dans les différentes formes de racisme, mais ça pouvait aussi vouloir dire, et des gens ont écrit ça, que l'antisémitisme c'était autre chose que du racisme. Et vous avez des tas de gens tout à fait intelligents, comme maintenant très à la mode la rabbine Delphine Horwiller, qui vous explique que l'antisémitisme fonctionne sur d'autres ressorts. Que le racisme. Et nous, c'est un petit peu contre ça, hein, qu'on a vu à partir du moment où les personnes victimes de racisme ont commencé à ne plus avoir besoin de blancs sympathiques pour s'occuper de leur émancipation, mais s'est dit, bon, maintenant on a fait des études, on parle bien la langue, on a la nationalité, on peut s'en occuper nous-mêmes, que le besoin qui va tout à fait avec l'affirmation du besoin de dignité, de nommer aussi, comme on nommait l'antisémitisme, bien on doit pouvoir nommer l'islamophobie, on doit pouvoir nommer la négrophobie, d'autant plus qu'ils ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Quand l'islamophobie est la composante de la religion qu'on doit essayer de maîtriser, qui est un peu plus qu'une religion, mais on n'a pas ça dans la négrophobie, c'est autre chose, d'ailleurs qui incorpore plusieurs religions. Donc, en plus, les discriminations ne se font pas exactement au même moment, ne visent pas de façon égale les hommes et les femmes. Donc, c'est très important de les nommer. Hein. Donc, c'est pour ça que finalement, au bout du compte, je préfère la formulation, il y a un racisme il a différentes formes, il a des accents différents. Et pour moi, c'est important, ce n'est pas capital. On peut, voilà, je ne me fâche pas si des gens parlent des racismes, hein, mais c'est assez important. Et là,
Je vais aussi, à mon tour, citer Franz Fanon. C'est une phrase assez connue de son bouquin « Peau noire, masque blanc ». C'est une phrase qu'il prête à son professeur de philosophie, où il dit « quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Et dans mon travail, notamment quand je m'adresse à des Juifs aussi, qui ont vécu, ou leurs parents ont vécu, qui ont vécu, je retourne la phrase. Et je dis « quand vous entendez parler des musulmans, quand vous entendez parler des afro-descendants, tendez l'oreille, on parle de vous ». Cette impression qu'en fait, même si, je vais en dire deux mois après, les Juifs ont changé de position dans la galaxie raciale de notre société, c'est tellement récent que c'est très fragile et ce n'est absolument pas irrémédiable. Alors, d'où vient le racisme? Je voudrais plutôt demander ça à des paléontologues, des anthropologues. Hein, mais pour moi, les pulsions racistes remontent presque avant de la constitution de société. On est aussi des êtres animaux, hein, et donc nous devons brasser les deux types de pulsions qu'il y a dans tout le genre vivant, hein, qui est le besoin de domination, de prédation, et le besoin de coopération. Alors c'est une bataille aussi d'humanisation, mais voilà. Mais je passe là-dessus parce que je suis vraiment pas compétent. Alors c'est là que je dois faire ce que je dis, parce que bon, donc Amel nous a demandé aussi comment le racisme se manifeste en parlant de votre oppression et domination spécifique. Donc là, je dois faire ce que je fais en général quand je commence une intervention sur des sujets pareils, c'est de dire de quel lieu moi je parle. Les Juifs aujourd'hui, ici et maintenant, pas ailleurs et pas à une autre époque, ne sont ni dominés ni opprimés. Les discriminations qui les ont visées à un degré que vous connaissez, bon, je n'aime pas étaler mes blessures, mais je dois quand même rappeler que les 9/10 de ma famille sont partis en fumée à Auschwitz et à Treblinka, que je n'ai pas de grands-parents et des tas de choses comme ça. Hein, mais c'était il y a 70 ans, tout ça. Hein. Et il s'est passé, en fait, après la guerre, dans une période assez courte, trois événements qui ont absolument modifié la position, la situation des Juifs dans la société. La première, c'est un incroyable retournement à cause de la culpabilité européenne après le génocide nazi, qui a abouti à une surprotection des Juifs dans certains pays. C'est très net en France et en Allemagne, où on ne peut plus dire un mot de travers sur des Juifs, alors qu'on peut dire un mot de travers sur plein d'autres minorités. Ça a aussi abouti à la création. Cette culpabilité a aussi rendu possible la création de l'État d'Israël, qui fonctionne un petit peu comme une façon de tirailleurs sénégalais, ou je ne sais pas quoi. Mais donc, bref. C'est sûr que ça n'a pas aidé dans les relations entre les Juifs et les autres minorités, notamment arabo-musulmanes. La deuxième modification, c'est les migrations de travail. Donc, avant-guerre, à l'époque où les Juifs sont vraiment la seule minorité massivement discriminée partout en Europe, on a très, très peu de gens, très peu d'Arabes, très, très peu de Noirs. Les Arabes, on va commencer à les voir ici, on ne sait pas à quoi ça ressemble à l'époque, sauf pour les gens qui ont voyagé. Ça va commencer avec les conventions d'immigration du travail en 1965, donc c'est relativement récent. À partir de ce moment-là, tout ce qui est lié à la fonction de bouc émissaire va complètement se déplacer de la population juive, de nouvelles populations qui sont beaucoup plus faciles à identifier. D'autant plus que les Juifs qui sont massivement d'origine ouvrière et petits artisans, mon père était un ouvrier tailleur et ma mère portait un métier qui n'existe plus. Elle était corsetière, avant que ce soit les entreprises qui les fabriquent, les corsets avec les baleines et tout ça. Quand j'étais petit, il y avait encore dans l'atelier tous les rubans roses. C'est en une seule génération, ça s'est introduit de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Cette population d'artisans a été à l'université, a produit des médecins, des avocats, des professeurs. Et malgré tout ça, on a continué à avoir des crimes de haine et les crimes de haine fonctionnent par période. Ça, c'est très intéressant à la période que nous vivons maintenant, et d'une certaine façon, ça nous rend un petit peu la vie un peu plus facile. Parce qu'on a eu une période qui était très, très pénible à vivre. C'est le moment où on a eu des attentats antisémites, criminels, qui étaient commis par des personnes arabes. Donc, c'est le musée juif de Bruxelles, l'attentat de Toulouse à Paris, l'hypercachère. Et maintenant, on a changé de période, et ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est la remontée du vieil antisémitisme blanc, porté par les suprémacistes qui mettent des bombes dans les mosquées et dans les synagogues exactement avec le même modus operandi. On a ça à Pittsburgh, on a eu ça à Halle en Allemagne, où les mêmes ont été après cassés un foyer turc après avoir mis une bombe dans la synagogue. Ça, subjectivement, je ne m'en réjouis pas évidemment, on ne peut pas se réjouir de ce genre d'événement, mais subjectivement ça nous aide un petit peu pour montrer que les Juifs s'imaginaient des super blancs, ben là ils se sont vachement plantés. Alors là, je vais poser la question à 10 balles.
Est-ce que les Juifs, du coup, sont racisés ou est-ce qu'ils sont blancs? C'est une affaire compliquée, puisqu'à partir du moment où on dit que les races sont des constructions sociales et pas du tout des réalités observables, bon, je veux bien qu'un noir, ça se voit, mais les Arabes, ils sont aussi blancs que moi, donc on est tout à fait dans autre chose. Donc ce sont des constructions, et ça peut bouger. Et on sait par exemple que les Irlandais aux États-Unis au 19e siècle, je vous assure, ils n'étaient pas blancs du tout, ils étaient complètement noirs. Hein. Ils étaient complètement rejetés hors de la société des Whites, des White Anglo-Saxon Protestants, hein, parce que le racisme pour les Irlandais était transplanté de la Grande-Bretagne jusqu'à, enfin, du Royaume-Uni jusqu'en Amérique. Tout à fait dans l'autre sens, je vous assure qu'en Mauritanie, les Arabes sont blancs. Hein. Bon, pour les Juifs, c'est un choix. Ils sont sur la ligne de crête. Et moi, j'ai fait un choix de façon rhétorique, je ne suis pas blanc. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre capitalisme et racisme? Ça va aller très vite. Hein. Je vois enfin, je vois très bien ce qu'Amel, Véro Amel veut me pousser, enfin, je suppose. Pour moi, il n'y a pas forcément de lien, de même qu'il n'y a pas forcément de lien entre anticapitalisme et antiracisme. C'est un travail. Créer ces liens est un travail. Mais nous connaissons, et dans la pratique, nous savons... Il y a un capitalisme qui n'est absolument pas raciste. Je vous assure, moi, que dans les grands hôtels londoniens, les cheikhs du Koweït et des Émirats s'entendent très, très, très bien avec le grand capitalisme british. Hein. Donc, c'est de même que dans d'autres circonstances, certaines formes d'anticapitalisme peuvent être parfaitement racistes, reproduire la domination blanche. Hein. Bon, je veux bien vous parler un peu de la FGTB, sur l'attitude de la FGTB sur le foulard, mais je ne le ferai pas tout de suite, en tout cas. Mais en tout cas, ça montre que, y compris chez les plus radicaux de la FGTB, je ne signerai pas ça. Bon. Les mouvements sociaux, a priori, sont single issue. Et je pense que ce n'est pas mal, a priori. Hein. Mais la conséquence, c'est qu'on a un féminisme bourgeois, c'est qu'on a un mouvement ouvrier machiste, etc., etc. Pour arriver à faire de la convergence, on doit la construire. Hein. C'est très compliqué. Et en plus... Non seulement on doit la construire entre mouvements sociaux, mais on doit construire les mouvements sociaux. Parce que si on parle d'un mouvement social à partir des racisés, on est très loin de ça. Il y a encore tout un travail à faire de ce côté-là qui ressemble un petit peu à ce qui était fait du mouvement ouvrier pour faire converger les mineurs et les fonctionnaires. Ça n'est absolument pas évident et ça part avec 2 siècles de retard. Alors, sur la stratégie, quelle est la meilleure stratégie pour combattre efficacement le racisme et quel pont on doit établir entre les racisés et les mouvements sociaux. Bon, on doit d'abord voir quel est l'objectif. Hein, parce que on peut très très bien, quand on est d'une minorité racisée, lutter pour renverser la domination, pour devenir soi-même dominant, ou bien pour se construire un territoire séparé. Dans toute l'histoire des minorités, il y a eu les deux. Hein. Donc en fait, la question n'a de sens que si on se met d'accord pour dire que notre ambition... C'est une société qui soit égalitaire, socialement égalitaire, sur le plan des genres égalitaire et racialement égalitaire. Et à ce moment-là, ça devient une nécessité. Parce que là, il y a un vieux principe, c'est que la société vers laquelle, à laquelle on aspire doit pouvoir déjà se lire dans le chemin qui y conduit. En outre, il y a un deuxième aspect qui est purement tactique ou stratégique, c'est la question du rapport de force. Les salariés sont majoritaires, les femmes... un chouïa, disons, c'est kif-kif, c'est comme les minorités sont minoritaires, et très minoritaires. Donc là, même stratégiquement, on doit intégrer la manière de travailler avec au minimum une fraction de ce qu'on appelle les blancs, et qui, à mon avis, est aussi quelque chose, qui est une construction sociale, et qui doit être déconstruite, parce que je vous assure que tout le monde n'est pas blanc au même niveau de blancheur. Alors, j'ai écrit quelque part, et ce sera ma conclusion, Roxane, un mouvement antiraciste doit pouvoir marcher sur 2 pieds. Un premier pied, c'est un mouvement autonome des minorités, et c'est un travail, hein, parce que les minorités, c'est des minorités qui ne marchent pas ensemble spontanément. Hein, très souvent, quand il y a des manifestations contre l'islamophobie, ben vous aurez des musulmans et des blancs, et quand vous aurez des manifestations contre la négrophobie, vous aurez des noirs et des blancs. Vous n'aurez pas forcément les Arabes pour les Noirs, etc. Ça n'est pas illogique, mais on doit être conscient de ça. On était à 2 doigts d'avoir ce même problème lors de la manifestation devant la place Poulard. On s'en est très bien sorti, je trouve, vraiment. Bon. Le terme même de décolonial demande à être travaillé. Parce que contrairement à la France et contrairement aux États-Unis, la majorité de nos populations racisées ne sont pas d'origine coloniale. Alors je veux bien qu'on ait une exception, qu'on redéfinisse l'affaire.
mais ça n'est pas aussi évident. Donc le deuxième pied, ça c'est le premier pied, un mouvement autonome des minorités, et un deuxième pied, inscrire la lutte antiraciste et pour la reconnaissance de la dignité des personnes racisées, y compris donc la question du foulard qui moi aussi me tient à cœur, inscrire cette lutte en bonne place dans les luttes généralistes pour l'égalité des droits. Ça veut dire un travail, je dirais, les gens qui s'identifient comme blancs, c'est surtout ça leur job. Voilà, tu termines, Roxane. Merci Henri pour ton intervention. Tip top timing en répondant à toutes les questions. Donc, merci pour cet exercice en tout cas, et merci pour ton intervention qui apporte un peu de perspective aussi historique dans la formation du racisme et qui commence à aborder la question des stratégies de lutte sur lesquelles on pourra revenir aussi. Les autres intervenants pourront également revenir. Joël, c'est à toi. Très bien. Je vais essayer de faire dans les 7 minutes imparties, puisque je partage mon temps avec Jia. Alors, sur les 3 questions, il est vrai que quand on m'a la première question qui était est-ce qu'il y a un racisme et des racismes, voilà, je me suis de toute façon dit que j'allais parler d'où je suis, parce que voilà, c'est ce qui est aussi intéressant dans cette diversité de panel. Et en tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que le racisme, c'est une idéologie, hein, c'est une idéologie, une invention essentiellement blanche et européenne, on va dire. Et j'ai un peu été revoir mes classiques avec un collègue Guillemin qui parlait du racisme, qui est en fait un fonctionnement global de domination et de discrimination. Cela étant dit, ben, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, ben alors, est-ce qu'il y a des racismes? Et s'il y a des racismes, alors je pense qu'il en existe en effet, et qui sont à décliner et à contextualiser. Parce que ben, il y a un système de domination et de discrimination des esclaves, un système de domination et de discrimination des colonisés. Et puis, ben, si on pousse un peu plus loin jusqu'à aujourd'hui, ben, on parlera, par exemple, en France, il y avait les travailleurs, les immigrés, donc les travailleurs italiens, en Belgique, c'est les Arabes, en Belgique, il y avait aussi les Italiens, les Congolais, hein, qui étaient finalement aussi victimes de ce système de discrimination et qui se basait finalement sur... la culture et les attributs physiques. Hein, on disait, bah, là, celui-là est différent, il a un nez comme ceci, etc. Et bon, il a un peu une culture qui n'est pas tout à fait la nôtre. Hein, selon qu'il mange du pondou ou du couscous, on va considérer que voilà, c'est quelqu'un de différent et donc on se sent légitime pour le discriminer. Cela étant dit, et je le souligne, ben, parler de ça n'est pas comment dire, la porte ouverte pour... parler de racisme anti-blanc, parce que, voilà, bien qu'il faille contextualiser qui sont, quel est le visage, qui sont les personnes qui sont victimes de racisme, qui sont discriminées, ben, en général, le système qui domine est un système blanc, et on ne peut pas, là, parler de racisme anti-blanc. Même si on contextualise une discrimination, on contextualise une violence, mais bon, en général... voilà, ceux qui vont se retrouver dominés, esclavagisés, colonisés, etc., ne sont pas nécessairement considérés comme blancs. Voilà. Pour ce qui est de racisme et capitalisme, Henri Goldman en a parlé tout à l'heure en parlant de Marx et du fait qu'il a fait tout un travail, enfin, en tout cas d'analyse des Irlandais, mais il a aussi fait tout un travail de dialectique entre la classe et la race en analysant la guerre de sécession aux États-Unis. Et donc, pour se rendre compte que finalement, bah, qui sont ceux qui souffraient ou qui pâtissaient finalement de ce système esclavagiste, ce système de discrimination, ben, les Noirs qui étaient mis au travail, etc. Donc le lien entre capitalisme et racisme est intéressant à faire, parce qu'il déjà il se développe dès le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle avec le travail des esclaves noirs et puis ensuite avec le travail des colonisés.
Et jusqu'à, ça nous permet de retomber jusqu'à aujourd'hui. On constate en fait que après la Deuxième Guerre mondiale, ben finalement, qui sont les personnes qui arrivent dans nos pays, donc je veux dire en Europe, hein, on parlait que en Belgique, on parlait que finalement de ce que je maîtrise plus ou moins bien, ben ce sont les personnes racisées, donc ça va être les Arabes, les Marocains qu'on va ramener pour travailler, ça va être les Asiatiques, ça va dépendre en fonction du pays aussi, ça va être aussi les Congolais, et ces personnes-là vont se retrouver ben, dans des secteurs qui sont, outre le fait qu'ils peuvent être dangereux, mais qui vont être dans le bâtiment, qui vont être dans le Caire, qui vont être, aujourd'hui on le voit, hein, qui nettoient nos rues, qui s'occupent des vieux, etc. Donc toutes ces personnes-là vont se retrouver à la fois discriminées parce qu'elles elles sont, comme on peut dire, on dit d'origine étrangère, en tout cas objectivement elles ressemblent, elles sont différentes, mais en plus en termes de classe, elles vont occuper un terrain qui n'est pas, qui, comment dire, elles vont occuper des fonctions de travail qui est finalement qui est le prolétariat, quoi. Donc on va retrouver des travailleurs, etc. Et donc le lien pour moi entre la race et le capitalisme, il se fait là. L'exemple le plus criant, c'est de se rendre compte que quand on sait très bien, par exemple, que les femmes cadres supérieures, ben, ce qu'elles vont faire une fois qu'elles s'émancipent, c'est qu'elles vont déléguer le travail domestique aux femmes racisées. Donc tout ce qu'elles elles faisaient, elles vont le déléguer à cette catégorie qui croise finalement, hein, à la fois une domination de classe, de race, etc. Elles vont le déléguer à cette catégorie-là et qui va se retrouver, et bien souvent, en général, on constate que ça va être des secteurs, ben, on l'a vu avec la crise du Covid-19, qui sont pas... qui sont moins sous-financés, qu'on va déstructurer, etc., etc. On peut se poser la question, pourquoi? C'est pas à la bourse qu'on va déstructurer les règles et qu'on va faire en sorte de s'en mettre plein les poches, encore qu'on s'en met plein les poches en écrasant les autres. Donc, le lien, pour moi, entre le racisme et le capitalisme, il est là. Il se fait, il s'est toujours fait, finalement, sur le dos des travailleurs. Et c'est d'ailleurs ce que Angela Davis dit très souvent, c'est qu'on ne peut pas sortir, qu'on doit sortir du capitalisme, qu'on réglera aussi la question des discriminations, la question de la race, en sortant du capitalisme qui finalement fait son lit, hein, qui pompe là-dedans et qui fonctionne comme ça. Pour ce qui est de la troisième question, qui est beaucoup plus vaste et qui renvoie à ben, quels sont les liens, les actions, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez été quelques-uns à parler notamment de la manif qui a été organisée le 7 juin dernier. En fait, Frantz Fanon disait que la violence révolutionnaire, elle est nécessaire pour libérer les groupes dominés. Et donc, par là, il parlait il y avait le panafricanisme, il y avait la nécessité que toutes les personnes, tous ces groupes dominés, et donc, comme je disais tout à l'heure, donc les racisés, les personnes différentes, ont besoin de se mettre ensemble de manière révolutionnaire pour changer les choses. Ce qui s'est fait ici avec la manif du 7 juin, c'était un petit peu ça. C'était donc de se mettre ensemble pour dénoncer finalement un racisme d'État. Hein, Kadija, tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais du racisme d'État, et c'est assez interpellant de se rendre compte à quel point le lien il n'est pas fait entre la colonisation, donc qui remonte au 19e siècle, et le racisme d'État tel qu'il est vécu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un système en place qui permet de déshumaniser quelque part des hommes, des femmes, aujourd'hui des travailleurs, et qui se traduit finalement dans une forme d'impunité, dans une forme même pas dans une forme, dans de la violence d'État, de la violence policière, hein, la police étant le bras armé de cet État. Je vais juste faire une petite aparté, parce que
comme je partage la parole avec Jia, d'où moi je parle en tant que femme noire congolaise, ayant grandi, vécu finalement la moitié de sa vie au Congo. Alors s'il est vrai qu'au Congo et qu'à Kinshasa, la majorité des gens qui m'entourent enfin, sont noirs. Et donc, on pourrait s'interroger, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a de raciste, qu'est-ce qu'il y a de raciste dans ce pays qui est finalement majoritairement noir? Ben, c'est, en réalité, le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays avec les difficultés qu'on connaît, avec aussi bien de belles choses et de grandes choses, mais avec, parce qu'il est aussi le fruit de cette colonisation-là, de ce système de domination, de discrimination, d'exploitation hein, de tout un peuple. Et ça, ça se traduit, il y a vraiment une ligne. Elle n'est pas, elle est droite, quoi. Elle est très claire, pour peu qu'on veuille le voir. Il y a une ligne très claire entre cette domination-là, qui a été subie par le passé, qui continue à être effective aujourd'hui au Congo, hein, quand on sait que c'est un pays qui possède énormément de richesses, qui a la possibilité de produire sur place énormément de choses, mais qui se retrouve à importer, qui se retrouve avec quand même une population extrêmement pauvre, avec énormément de pauvreté. Ça dit des choses de cette domination, de ce capitalisme-là qui se nourrit finalement de ce maintien d'un pays, d'un peuple tout entier dans la misère. Et ça, évidemment, après, on peut discuter de, oui, ça se fait avec la complicité ou pas des élites, comme on dit, ou des autorités en place, mais c'est aussi, ça veut aussi dire, si ne penser que comme ça, c'est ne pas penser au système. C'est un système. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure que le racisme, je crois que c'est Khadija qui disait tout à l'heure, ce n'est pas juste une question interpersonnelle, c'est aussi comment est-ce qu'on construit un système, comment est-ce qu'on le maintient pour faire en sorte qu'on continue à nourrir un petit peu l'ogre. Et donc, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ce qui s'est passé avant, et ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, où mes tantes, mes sœurs, mes cousines, voilà, se retrouvent dans la précarité, se retrouvent dans une constante bataille pour joindre les deux bouts, hein, fin du monde, fin du mois, comme on lit parfois, ben, ce lien-là, il est évident. Il est évident. Tant que la Belgique n'aura pas adressé la question coloniale, adresser la question coloniale, ce n'est pas juste dire oui, on a Léopold II a tué 10 millions de personnes, c'est mal ce qui s'est passé là-bas. Non, c'est aussi dire à qui profite le crime, à qui a profité, à qui continue de profiter aujourd'hui l'exploitation de tout un peuple et qui ça dérange, qu'on déboulonne les statues. Donc, moi, je parle aussi en tant que porte-parole de la Belgian Network for Black Lives, qui est en fait la plateforme qui s'est créée de manière assez décoloniale, hein, parce qu'on parlait de décoloniale tout à l'heure, dans cette envie, cet élan-là de décoloniser non pas seulement l'espace public, mais aussi d'aller au-delà, d'aller plus loin que le symbole, qui est quand même un symbole fort, donc pas inutile. Mais donc, moi, je fais partie de cette plateforme qui se met ensemble et qui pose la question à qui profite le crime? Qui sont ceux qui se retrouvent au bas de l'échelle? Alors, effectivement, la question de la race, la question de objectif, de ce à quoi on ressemble, de ce à quoi on nous assigne aussi, joue un rôle fort et important et influence, je regarde si j'ai encore du temps, et influence aussi, non, j'ai plus de temps, et influence aussi la manière dont on est traité. Mais je crois que voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est important de maintenir ce lien-là. Quand François Fanon parle de la révolution, je ne sais pas si on me voit encore, je ne sais plus où je suis. Ah voilà, quand François Fanon parle, pardon, de la révolution, de la violence révolutionnaire, il y a une violence révolutionnaire déracisée, mais déracisée qui sont aussi des travailleurs, des travailleuses. Et donc, c'est hyper important de faire ce lien-là. Voilà, Gia, je te laisse la parole. Voilà, bonsoir. C'est bon, on m'entend? Ok. Mais voilà, donc je viens un peu en... Voilà, bon, c'est vrai que par rapport à la première question sur un racisme, des racismes, moi, je dirais qu'il y a, comme l'avait précisé la première intervenante, Khadija Senadji, le racisme d'État avec ses perpétuations des violences policières, il y a le racisme structurel, systémique, enfin, que moi j'appelle, de mon point de vue situé de belgo-congolaise, de la négrophobie systémique
au sein même de la Belgique, et de ce continuum colonial qui fait et qui renforce cette sous-citoyenneté ou ces citoyennetés de seconde zone, surtout à l'égard des Congolais, et comment les Congolais et le Congo a apporté sa plus-value et son expertise pendant le Congo belge, en tout cas depuis entre 1885 et 1960. Et dans la première question, comment est-ce que le racisme structurel affecte les populations afrodescendantes de manière empirique? On le voit premièrement avec les deux rapports qu'a eu celui de la Fondation Grabaudouin et récemment celui d'Actéris, mené entre autres surtout par Khadija également, qui montre qu'en fait les populations afrodescendantes subsahariennes sont vraiment formées au-dessus de la moyenne et c'est celles qui sont le moins recrutées. Aujourd'hui, c'est un jour un peu difficile, je trouve, pour moi, parce qu'on a eu vraiment toute cette émulation, cette force, cette puissance qui nous a porté pour la manifestation pacifique du 7 juin, qui nous a permis aussi de rassembler plus de 10 000 personnes dans cette digne rage et de voir aussi cette nouvelle génération qui est venue avec sa puissance et son envie de crier stop au racisme, à l'islamophobie, à la négrophobie, à ce racisme structurel qui vraiment vampirise toutes les strates de la société. Et on le voit dans les discriminations, évidemment, au logement et à l'emploi, mais on le voit concrètement avec le plafond de verre racial. C'est qu'aujourd'hui, en 2020, c'est vraiment très difficile de décloisonner cette hégémonie patriarcale blanche, donc ces hommes blancs qui font finalement des choix politiques, des choix économiques à l'insu, de manière insolente par rapport justement à ces citoyens de seconde zone. On le voit aussi dans le rapport par rapport au débat sur le retrait définitif des statuts coloniaux et des statuts de Léopold II. En fait, il y a vraiment une sorte d'invisibilisation, de déni de ce passé colonial. Mais en fait, quelque part, les statuts de Léopold II et de ces coloniaux, quelque part, ne sont que la métaphore, que la pointe de l'iceberg de cette violence institutionnelle à l'égard des citoyens post-coloniaux, puisque moi je pars avec Café Congo, donc qui se tire lieu dédié aux résistances, aux luttes et aux créations pluridisciplinaires, évidemment post-coloniales, décoloniales, Congo, Rwanda, Burundi, c'est de là que je pars de cette expérience, avec évidemment une inclusivité par rapport aux minorités racisées, ça c'est clair. Mais dans cette convergence des luttes qui est nécessaire pour observer cette violence étatique, cette violence institutionnelle, moi ce qui m'intéresse aussi en tant que journaliste, c'est de voir quels sont les moyens qui sont mis, ils sont très peu, aussi bien dans le traitement médiatique que dans les structures institutionnelles, que évidemment au sein du gouvernement, qu'est-ce qui est mis concrètement avec façonne vraiment une humanité dans la vision et qui serait inclusive et peut-être qui apporterait un espace plus neutre dans le lien social. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que le capitalisme lié au racisme, il est tout à fait intrinsèquement lié et on le voit. Pourquoi est-ce que la Belgique par exemple n'a pas jusqu'à aujourd'hui présenté ses excuses? Parce que qui dit excuse, on ne présente pas ses excuses sans avoir quelque part une sorte de réparation mémorielle ou économique. Et c'est ça qui est vraiment effarant et qui est vraiment, moi je trouve aujourd'hui violent, et aujourd'hui c'est un peu le jour où je sature entre vraiment les accumulations de déni et d'audace pour en face de vous, quand on dialogue, dire mais non, mais moi je ne suis pas raciste. On essaie d'être inclusif, on n'arrive pas à engager des gens noirs, des femmes voilées, c'est compliqué, et il n'y a aucune remise en question sur les systèmes. Et donc pour revenir aux excuses de la Belgique, si la Belgique aujourd'hui reconnaît et présente ses excuses, ça veut dire que c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre et que les associations ou les ayants droit, les descendants, peuvent faire un suivi pour qu'il y ait des réparations mémorielles, mais surtout financières, puisque l'enrichissement économique de la Belgique s'est fait grâce au Congo. On le voit avec le port d'Anvers, et il y a un livre très intéressant qui s'appelle Congo 1885-1960, une histoire financière et économique, où on voit la liste des associations, des entreprises et des familles qui se sont enrichies. Il n'y a jamais eu de réparation financière. Alors on dit oui, mais les réparations financières, ça arrive pour qui au Congo? C'est ça, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette thérapie collective, tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance et réparation mémorielle et financière qu'on appelle matérielle, on est encore dans ce système capitaliste qui
a besoin de citoyens de seconde zone, qui a besoin de cette main-d'œuvre qu'on appelle décompétencée, dans le jargon, je dirais, de l'emploi, d'évaluer. Voilà, dans les filières qu'on met un peu dans les filières que la population blanche, beige ne veut pas, pour pouvoir continuer à faire fonctionner ce système capitaliste. Et alors ensuite, ce qui est important aussi de manière empirique, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler dans les convergences de lutte, évidemment sur, en liant les questions de l'islamophobie, de la négrophobie, des racismes, et comment aussi cette nécessaire convergence des luttes et des associations, malgré les divergences sur certains points, est un défi vital pour qu'on puisse ensemble lutter contre un système capitaliste, hégémonique blanc, qui est d'une violence et qui ne veut pas absolument pas perdre ses privilèges et qui a une réelle résistance au changement. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble pour cette justice mémorielle et cette égalité citoyenneté. Merci Joël et Gia pour vos deux interventions. On entre dans le ventre du capitalisme, voilà, avec toute la rage qu'on y retrouve à travers vos deux interventions. On aborde aussi les questions stratégiques. Peut-être qu'on pourra, dans les questions, aborder plus les questions, lutte à l'intérieur des institutions, en dehors des institutions, où est-ce qu'on crée du rapport de force. Peut-être qu'on pourra approfondir ces questions-là et peut-être qu'on peut déjà le faire avec ton intervention, Emel. Voilà, 15 minutes pour toi. Voilà, moi je suis un militant antiraciste depuis longtemps, mais surtout un animateur, un formateur dans les quartiers, beaucoup travaillé avec les maisons de jeunes, donc j'ai aussi une préoccupation très forte à ce niveau-là, quoi. Et donc, voilà, mon intervention est aussi basée sur l'expérience du travail de terrain dans le quartier, quoi. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le racisme n'est pas une simple peur de l'autre ou de l'inconnu inhérente à la nature humaine, car les personnes visées sont des catégories bien précises et bien connues, comme on vient de le rappeler. Si c'était effectivement naturel, il serait impossible de le combattre ou de l'éradiquer. Le racisme a une dimension historique, culturelle, sociale et politique. Il faut distinguer le niveau de la xénophobie du racisme à proprement parler. Là, je voudrais vous montrer un petit iceberg. J'espère qu'on le voit. Et on voit qu'à la base de cette pyramide, de cet iceberg, on voit les stéréotypes, les préjugés. À partir de cela, on va avoir des actions individuelles, parfois même déjà discriminantes. Et c'est là qu'il y a un flou, et généralement, c'est là qu'on parle de la xénophobie. Le nouveau terme qui est apparu récemment et qui je trouve assez intéressant, ce sont les microagressions, et qui permettent de allier ces deux dimensions-là. Mais du point de vue politique, du point de vue juridique, on ne sait pas faire grand-chose contre ça. Ça ne sert à rien de porter plainte, par exemple. Quand on monte dans l'iceberg, on va arriver dans les discriminations structurelles et institutionnelles. Il y a les violences dont on a parlé et le sommet de l'iceberg, c'est le génocide. Et donc, une grosse question qui se pose, est-ce que le racisme englobe l'ensemble de la pyramide ou seulement la partie qui est au-dessus du niveau d'eau? Voilà, donc en Belgique, le racisme est condamné, hein, c'est un délit, tandis que la xénophobie, les préjugés, les stéréotypes, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Alors, le racisme, c'est effectivement, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, c'est une idéologie, hein, qui catégorise, hiérarchise, désigne un groupe comme inférieur ou menaçant, sachant que soi-disant objectivement sont inférieurs, incapables et dangereux. Il est donc légitime et nécessaire de les dominer. Nous sommes tous et tous différents et semblables, mais le racisme va souligner, va extraire, va attribuer et va construire une identité raciale, culturelle et culturelle ou religieuse.
Alors, la mécanique raciste, elle se construit par une série d'opérations. On l'a déjà entendu ce soir, hein, la différenciation, on va zoomer sur une différence, on va se focaliser, on va décréter que cette différence, elle est importante, on va l'essentialiser, on va expliquer tout le comportement d'une personne, ses faits et ses gestes par cette caractéristique-là, pour pouvoir la péjorer, c'est-à-dire qu'on va diaboliser. On a aussi parlé à plusieurs reprises de la déshumanisation des personnes. Et fondamentalement, mais parce qu'ils sont mauvais, ils sont incapables, ils sont ingrats, ils sont inférieurs, ils sont indisciplinés, ils sont amoraux, ils sont dangereux. Ce sont tous des termes qui ont été utilisés au fur et à mesure des siècles. Alors, il y a racisme quand il y a une légitimation d'un comportement de domination, d'oppression, quand il s'articule sur une violence systémique et sur une inégalité de traitement. Il existe de la xénophobie contre les racisés, mais aussi contre les Blancs. Par contre, seuls les racisés, comme on a déjà entendu ce soir, c'est-à-dire tous les groupes qui ont été racialisés sont ciblés, essentialisés, péjorés. Les Noirs, les Arabes, les Berbères, les Musulmans, les Juifs, les Asiatiques qu'on a vu apparaître pendant cette crise de pandémie, les Roms et les migrants, ce sont les groupes qui sont victimes de racisme en Belgique. Beaucoup sont victimes de violences, de discriminations, qui sont massifs, systémiques, polyformes. D'autres, ce sont des agressions verbales, des assassinats, des profanations de symboliques ou de lieux de culte. Alors, ce racisme, il peut être pratiqué par l'État. C'est ça que, justement, on appelle le racisme d'État. Il peut être pratiqué par certains des agents de l'État. C'est ce qu'on appelle le racisme structurel. Soit par des institutions, même des ASBL du non-marchand pratiquent parfois du racisme institutionnel. Et puis, il y a les groupes d'extrême droite. En règle générale, c'est surtout de ce racisme-là que le pouvoir médiatique et politique parle. Le racisme est non seulement donc un système d'impunité, de relégation, d'inégalité, de traitement, de discrimination massive à l'embauche, la stratification de l'emploi, le logement, l'école, la santé, la police, la justice, le sport et les loisirs. Mais c'est aussi donc un système de légitimation, d'oppression et de domination économique, politique et culturelle. Alors, l'antiracisme d'État minimise l'emprise, l'ampleur et la gravité du racisme. Il préfère ne pas définir le racisme. Donc, vous savez qu'en Belgique, il n'y a toujours pas de définition de c'est quoi le racisme. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la loi contre le racisme ne fonctionne pas. Puis, elle se base sur le nombre de signalements. Donc, vous écoutez dans tous les débats aujourd'hui, c'est le nombre de plaintes qui sont déposées chez UNIA, qui est pour beaucoup de gens et surtout pour le politique et le médiatique, la source d'information sur est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce que c'est important ou pas. Et il va surtout s'attaquer aux discriminations interpersonnelles. Et dans la loi, on fait aussi appel à la haine ou à la violence ou à la discrimination. Alors, si on regarde d'où vient le racisme, depuis la recherche des routes commerciales menant à la Chine, qui ont conduit directement aux grandes découvertes et à l'introduction des prémices de la guerre moderne dans ce qu'on appelait alors l'Extrême-Orient, au début du XVe siècle, le pillage des mines d'argent de Potosí en Bolivie, puis de l'or dans d'autres pays d'Amérique latine par les colons espagnols, le début de la colonisation d'Amérique latine au XVIe siècle, tout ça a fait partie de l'accumulation du capital qui va être la base du développement capitaliste en Europe. Puis on va mettre 42 millions d'Africains en esclavage, on va les asservir. Et les 42 millions, ça regroupe les trois traites, hein, la traite orientale, européenne et intra-africaine. Il y a la colonisation dont on a déjà parlé, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie au 19e siècle. Et aujourd'hui, la domination néo-impérialiste actuelle continue à fonctionner, ce que certains appellent le néocolonialisme, mais c'est voilà, le besoin des entreprises multinationales de avoir le contrôle sur les matières premières partout dans le monde. Et donc, c'est l'ensemble des peuples de couleur du Sud global qui subit ce poids du développement et de l'expansion capitaliste mondiale. Alors, comment ça se fait qu'un petit pays comme la Belgique est devenu aujourd'hui le 20e pays le plus riche du monde, outre le fait que notre pays fut le premier à s'industrialiser sur le continent en devenant la deuxième puissance économique du monde dans la deuxième moitié du 19e siècle, la colonisation du Congo et plus tard du Rwanda et du Burundi
était et est toujours une mine d'or pour le capitalisme belge. On en a parlé, mais entre 1896 et 1907, alors que le Congo était la propriété personnelle de Léopold II, la colonie rapporta environ 450 millions d'euros au domaine de la couronne. Grâce à l'exploitation de l'ivoire, du caoutchouc, de l'huile de palme et de nombreux minerais, tout ça, tout en causant entre 5 et 10 millions de morts. Ces bénéfices ne sont jamais retournés au peuple congolais, mais ont été investis dans des projets de prestige en Belgique. Et on le voit encore dans le paysage dans plusieurs villes belges. De toutes les dividendes qui ont été versés entre 1950 et 1955, 25% provenaient des entreprises actives dans les colonies, alors que ces entreprises, elles ne représentaient que 3% de l'ensemble des entreprises belges. À la veille de l'indépendance du Congo, 75% de l'économie coloniale était contrôlée par trois puissants groupes financiers, la Société Générale, le groupe Ampin et la Banque de Bruxelles. Sur les 23 familles belges les plus riches aujourd'hui, 9 ont construit leur capital au Congo. Solvay, Emsens, Boel, Janssens, Bekaar, Lippens, Van de Mortelen, Vatilo, Bertrand, Dirick et Van Baren, leur capital a été construit sur le sang et la sueur des Noirs. Mais aussi la famille royale. Aujourd'hui, son patrimoine est estimé à 300 millions d'euros, auxquels il faut encore ajouter 450 millions de la dotation royale. Ce qui fait que notre roi est aujourd'hui le 10e roi le plus riche d'Europe. Donc, cette exploitation et récupération des richesses, ben, il faut les exproprier. Il faut que la Belgique, et plus précisément ces familles capitalistes, ils ont une dette coloniale vis-à-vis des anciennes colonies. Aujourd'hui, vous savez sans doute que la dette publique du Congo est de 13 milliards de dollars. Et alors qu'une grosse partie de cette dette, elle est illégitime, elle est odieuse. Alors, on a parlé de toutes les références qu'on voit dans les rues, dans les plaques aujourd'hui, les 46 fois où le roi Léopold II est cité dans le fameux nouveau musée de Tervuren. Donc, non seulement il faut décoloniser l'espace public, mais il faut aussi que le roi s'excuse pour ce que ses ancêtres ont fait. Mais il faut, comme disait Gia, effectivement, il faut que les capitalistes belges réparent et remboursent ce qu'ils ont fait. C'est évidemment pour ça qu'aujourd'hui, le combat est mené par les gens qui ne veulent pas déboulonner les statues. Ils savent très bien que s'il y a une reconnaissance et s'il y a des excuses, ils vont devoir payer. Alors, le mot race et la hiérarchisation de celles-ci ont été inventées au 19e siècle hein, pour justifier, comme on a dit, la traite, l'esclavagisme et la colonisation, même si une forme de proto-racisme est apparue au 14e siècle dans la péninsule ibérique, quand seuls les chrétiens de sang pur pouvaient exercer la profession de fonctionnaire des impôts. Aujourd'hui, la première fonction du racisme est toujours de justifier l'exploitation économique, l'inégalité de traitement. En montant les uns contre les autres, le capitalisme permet constamment de diminuer les coûts salariaux, les conditions de travail et les conditions de sécurité au travail. La justification donc le racisme permet aussi la justification de l'ethnostratification des secteurs de l'emploi à bas salaire, dans lesquels les racisés sont surreprésentés, on en a déjà parlé aussi, les soins de santé, les soins infirmiers, la transformation de la viande, le stockage, la logistique, l'agriculture, le textile, la vente au détail dans l'économie belge. Tiens, comme par hasard, tous des métiers essentiels de la reproduction. Et le racisme permet aussi d'augmenter les bénéfices et l'accumulation du capital en reproduisant continuellement une armée de réserves de main-d'œuvre, c'est-à-dire les sans-papiers. En même temps, elle permet de construire un bouc émissaire en les rendant responsables de tous les problèmes et ainsi de diviser et de mettre en concurrence et de justifier l'inégalité de traitement des exploités et qui permet à l'élite économique et politique de continuer gentiment à régner au-dessus de tout ça. Le patriarcat, il permet aussi, outre les violences, non seulement de payer moins les femmes, de pousser à travailler dans les temps partiels, mais aussi et surtout de leur faire faire la majorité du travail reproductif gratuitement. Comme le Black Panther Party
Et Malcolm X a commencé à dire à la fin de sa vie, raison d'ailleurs pour laquelle il a été assassiné par des militants de la Nation d'Islam, il ne peut y avoir de capitalisme sans racisme. Les rapports de race et de genre sont également des conflits de classe. Mais le racisme ne se réduit pas, aux problèmes d'exploitation et de pauvreté. Les racisés sont aussi opprimés en raison de leur identité raciale, culturelle et religieuse. Donc la classe, la race et le genre s'entrecroisent dialectiquement ensemble. Alors, je voudrais vous montrer une deuxième illustration. Celle-là, on l'avait déjà vue. Et donc, beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'intersectionnalité, où ils essaient de mettre dans le triangle l'oppression des femmes par le patriarcat, le racisme, l'oppression des blancs sur les racisés, et l'oppression socio-économique, que souvent on oublie de mentionner, que ce sont ces trois dimensions qui font combattre. Dans les flèches, vous voyez les identités de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, la nationalité, l'origine, la religion, la couleur de peau pour le racisme. Dans l'oppression socio-économique, il y a l'exploitation des patrons sur les travailleurs et les travailleuses, mais il y a toute la question du marché de l'emploi, il y a la question des institutions, mais aussi la question des revenus. Il y a la question de la scolarité, des niveaux scolaires, et la question aussi des quartiers et de la résidence. Donc, les flèches, ça parle des dominations, et donc les dominations sont multiples. L'oppression, elle est type triple. Mais autour de ça, il y a la crise climatique, la pollution, le pillage avec l'impérialisme, le gaspillage, les problèmes de biodiversité, donc tous les problèmes écologiques doit aussi nous unifier, et le tout est provoqué par le capitalisme et l'impérialisme. L'idée n'est pas de dire qu'il y a un endroit qui est plus important que les autres, mais surtout de les combiner. Ce qui veut dire que sur les lieux de travail, nous ne devons pas uniquement lutter pour améliorer les conditions de travail et de salaire de nos collègues, c'est ce que moi je fais en tant que délégué syndical, nous devons à chaque fois croiser notre analyse et nos actions avec des critères de genre et de race. En luttant contre les micro-agressions des collègues sur le lieu de travail, le racisme et les discriminations des patrons, aussi bien sur l'embauche, donc le problème n'est pas uniquement l'embauche, c'est aussi les statuts, les contrats de travail, les possibilités d'avoir ou de ne pas avoir de la formation, les promotions et aussi les licenciements, parce que ce sont les racisés qui en sont chaque fois les premiers et les victimes. Mais aussi l'exploitation spécifique des femmes racisées et des sans-papiers, par exemple. Dans nos actions féministes, on doit faire de même en intégrant les questions socio-économiques de classe et de race, les mamans solo, les pensions réduites pour les femmes parce qu'elles n'ont pas une carrière complète, la question du foulard. Et c'est là que le féminisme décolonial est intéressant et important. Et dans nos combats antiracistes, nous devons intégrer la dimension de genre, mais aussi la dimension de classe, car il existe aussi des exploiteurs et des dominants et des sexistes racisés. Je rappelle que dans la liste des 100 milliardaires sur la planète, les Blancs sont minoritaires. Donc, il y a plein de multimilliardaires qui sont de couleur. Comprendre les racines du racisme dans les sociétés capitalistes est donc essentiel à son éradication. Donc, il faut élaborer des meilleures politiques publiques et interdire les comportements discriminatoires privés ou publics ne suffiront pas. Le mouvement antiraciste a un potentiel considérable pour s'élargir et converger dans le monde entier et doit créer des liens avec les mouvements ouvriers, avec les autres mouvements sociaux, avec le mouvement écologique, avec le mouvement féministe, avec les organisations anticapitalistes, afin d'imposer une voie vers une société nouvelle, une société juste et égalitaire, sans exploitation, sans domination et sans oppression. Alors, quelle stratégie on peut mettre en place? Nous, en tant que gauche anticapitaliste, on est une organisation éco-socialiste et anticapitaliste, antiraciste, anti-impérialiste, anticoloniale. On est féministe, on est pour les droits LGBTQI+, et radicalement démocratique. Notre tâche est donc de lutter sur des questions symboliques,
mais aussi et surtout d'améliorer et de transformer les conditions matérielles et économiques des salariés de notre pays, au niveau du logement, au niveau des revenus, au niveau des emplois, au niveau de la qualité de l'orientation scolaire. Là aussi, ce sont les racisés qu'on envoie vers le technique et le professionnel. Les questions de santé, on voit que ce sont beaucoup d'infirmières et d'aides-soignants racisés qui sont parmi les victimes, mais pas uniquement. Et donc, il faut croiser ces dimensions. En tant qu'internationalistes anti-impérialistes, nous devons combattre notre propre impérialisme qui tente, avec l'aide de l'Europe, d'aider nos propres entreprises à continuer à piller et à contrôler les matières premières et à ouvrir des débouchés pour nos entreprises. En tant qu'antiracistes, radicales et anticoloniales, nous devons nous opposer à l'antiracisme libéral, qui se base uniquement sur une lutte juridique et ou de médiation contre les discriminations. Par ailleurs, UNIA vient de faire une étude en 2017, après 10 ans des lois antidiscrimination, et eux-mêmes expliquent que cette loi a été totalement inefficace. Nous pensons que les différents groupes de racisés ont le droit à l'autodétermination et à l'auto-organisation, mais ils doivent, dans un cadre organisé, démocratique et combatif, pour lutter contre le racisme spécifique. Mais il ne faut pas oublier de créer des ponts de solidarité entre eux et avec les nouveaux migrants et avec les sans-papiers, c'est une même lutte antiraciste. Néanmoins, pour construire un large mouvement radical, unitaire et pluraliste, qui construit un rapport de force, non seulement pour faire bouger les lignes, ce que j'entends beaucoup aujourd'hui dans le mouvement antiraciste, c'est voilà, il faut faire bouger le monde politique, mais pour éradiquer le racisme, il faudra beaucoup plus que cela. Et donc, il faut unifier tous les collectifs, il faut que le mouvement antiraciste soit dirigé par les racisés, mais en collaboration avec le soutien de beaucoup de partenaires et de camarades. Il faut intégrer la dimension genre et la dimension de classe. Ce mouvement antiraciste doit interpeller les syndicats, ce qui a poussé, par exemple, la CGSP Cheminots à soutenir la mobilisation Black Lives Matter, et ça a provoqué beaucoup de débats à l'intérieur de la FGTB à Bruxelles. Et le mouvement antiraciste doit interpeller le mouvement féministe, interpeller le mouvement LGBTQI et le mouvement écologique. Tous ensemble, nous allons ainsi pouvoir vaincre l'extrême droite qui va bientôt arriver au pouvoir en Flandre. Tout le monde a compris qu'en 2024, la N-VA et le Vlaams Belang auront la majorité. Pour abattre le système capitaliste et impérialiste, qui est la condition impérative pour enlever les raisons structurelles du racisme. Alors, je termine. Est-ce que j'ai encore du temps ou pas? Donc, nous devons lutter pour créer un rapport de force. Profiter qu'aujourd'hui, il est mondial, mais il va retomber. Donc, il faut que le mouvement antiraciste s'organise sur le long terme. Et donc, il faut construire un mouvement de masse, de rue, et qui montre, allez, je veux dire, les mouvements aux États-Unis démontrent bien que c'est par la rue qu'on crée ce rapport de force. Seule la lutte pèse sur les consciences et sur les rapports de force. Nous devons nous organiser pour regagner la lutte pour l'hégémonie culturelle dans l'opinion publique. Grâce à nos actions collectives, à nos actions dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous devons visualiser et mettre à l'agenda politique ce virus qu'est le racisme. Mais nous devons surtout démontrer et montrer que cette question est portée par la majorité de la population. Actuellement, tous les sondages disent que les Belges sont divisés en deux blocs égaux. 50% de racistes qui se déclarent racistes et 50% qui se déclarent antiracistes. Nous devons lutter pour unifier la lutte antiraciste en intégrant les 6 formes actuelles de racisme en Belgique. Je ne vais pas revenir dessus. Nous devons organiser la lutte en mettant ensemble et en faisant discuter les différents collectifs, mais en construisant un mouvement collectif. Pour l'instant, on tente avec la plateforme 21 mars d'organiser au moins une manifestation annuelle autour du 21 mars, mais ce mouvement s'élargit. Et je termine, il ne faut surtout pas oublier, et ça manque beaucoup je trouve dans les débats, qu'il faut approfondir et élargir notre travail d'éducation populaire, il faut conscientiser, former, transformer les non-racistes en militants antiracistes,
il faut développer des animations, des formations et d'autres actions culturelles, les films, les expositions, les spectacles. Nous devons combattre individuellement et collectivement les micro-agressions quotidiennes, déconstruire les stéréotypes et les préjugés racistes en tentant de gagner ceux qui les propagent. Et il faut les gagner à notre camp. Je vois dans les réseaux sociaux, on est en train de monter les gens vers le Vlaams Belang parce que les militants antiracistes ne veulent pas discuter avec les gens qui ont des préjugés et des stéréotypes. Tout de suite, on les accuse de racisme et donc on est en train de les pousser dans le bras de l'extrême droite. Et puis, il faut affronter les racistes et l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus aujourd'hui des champions. Vous avez vu les millions qu'ils mettent dans ce travail-là. Nous, on n'a pas l'argent, mais on est des centaines de milliers qui pouvons faire ce travail. Voilà, merci Emel pour ton intervention qui a un peu débordé. Voilà, c'est le problème aussi du live, on ne peut pas s'arrêter comme ça, on ne se voit pas mutuellement. Mais donc, merci pour ton intervention qui déploie toute une série aussi de perspectives et stratégies d'action pour combattre le racisme et le capitalisme, on l'a bien compris, et qui montre aussi la nécessité de faire des liens avec tous les autres mouvements sociaux. Alors, on a un bon paquet de questions, mais on ne va pas terminer trop tard non plus parce que voilà, on n'a pas envie de se perdre en cours de route. J'aurais quand même envie de laisser une minute de parole aux premières intervenantes. Voilà, si vous avez envie de dire quelque chose, s'il y a un élément clé que vous avez envie de rajouter à votre intervention, voilà, je vous propose de faire le tour, de te laisser d'abord la parole à toi, Khadija, s'il y a un petit truc que tu veux rajouter en une minute, avant qu'on puisse passer aux questions. Oui. Moi, je n'avais pas eu le temps, du coup, de beaucoup développer la question du capitalisme et de son lien avec le racisme, parce que j'avais beaucoup débordé sur la question du racisme. Mais je rejoins un certain nombre de choses qui ont été dites par Joël et par Gia sur le caractère intrinsèquement lié du capitalisme et du racisme, à la fois historiquement et dans sa mise en œuvre aujourd'hui. Et Françoise Vergès, par exemple, parle du capitalisme racial et la manière dont il se met en œuvre. On a très bien vu, je parlais du confinement au début de mon intervention, on a très bien vu qui permettait de faire tourner l'économie et de garder l'économie en mouvement au moment où tous les secteurs non essentiels sont à l'arrêt. Alors, par rapport à la stratégie de lutte, une chose, en fait, essentiel pour moi, à mon sens, c'est la question de l'autonomie de nos luttes, c'est-à-dire ce pouvoir d'autodétermination des termes de nos débats, de nos revendications, et ce qui suppose du coup une forme non pas de convergence abstraite et purement immatérielle, mais d'abord et avant tout une convergence avec nous-mêmes, donc nous-mêmes non-blancs, nous-mêmes noirs, nous-mêmes arabes, nous-mêmes musulmans. Donc ça, c'est vraiment un point de vue essentiel pour moi quand on se place dans la perspective de l'antiracisme politique et des coloniales, de ce qui suppose surtout, on a beaucoup parlé de l'antiracisme moral, mais surtout de sortir aussi de cette perspective qui est beaucoup moins du coup acceptée et qui est beaucoup moins revendiquée, je dirais, c'est de sortir de la conception de la démocratie et du cadre des droits de l'homme comme étant le cadre en fait essentiel et principal de la lutte. C'est-à-dire qu'on doit réinventer nous-mêmes nos propres cadres de lutte en s'émancipant de ce cadre-là, en s'émancipant aussi des mots d'ordre, parce que effectivement, et on le voit un peu avec l'intervention d'Emel, j'avais beaucoup de points de divergence à ce niveau-là sur les axes de stratégie qui ont été évoqués, de dire ok, on sort de la prééminence de la classe comme axe principal d'entrée pour une approche révolutionnaire, mais en même temps, on remplace cette approche-là purement classiste par un mélange, en fait, d'une multitude de facteurs qui, finalement, diluent la question raciale. On ne sait plus exactement de quoi on parle quand on mélange le féminisme à l'écologie. Alors, je ne dis pas que ces questions ne sont pas
importantes, mais elles doivent être, pour moi, adressées dans leur spécificité, dans leur historicité, et pas nécessairement être systématiquement liées absolument. Donc, moi, cette question du triangle dans lequel on fait rentrer tout en même temps, pour moi, c'est un non-sens et c'est tout à fait contraire justement à cette volonté d'autonomie et d'autodétermination. Donc, il y a, il me semble, une contradiction dans les termes et dans ce qui a été dit. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais ça me semble quand même important d'être précisé. Merci Khadija. Henri, tu souhaites rebondir? Non. J'attendrai les questions. Ok. Joël? Oui, je vais attendre les questions. Je ne sais pas la discussion. En fait, il y a un mot que Jia a dit tout à l'heure. Elle parlait de convergence des luttes. Et je sais que dans les milieux afroféministes, ou dans les, voilà, ça peut être quelque chose qui fait peur. Hein, même si, au final, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, on fait converger nos luttes. Et que je trouve que c'est important de... Enfin, moi, ça me semble quelque chose d'assez indispensable de faire converger nos luttes, ce qui ne signifie pas qu'il faille effacer les spécificités de chacune, de chacun, qu'il faille gommer, finalement, au nom d'un prolétariat commun qui n'aurait qu'un seul visage, etc. Néanmoins, je reste... convaincue, mais à titre très personnel, qu'on parle beaucoup d'intersectionnalité et que finalement la question de la classe demeure le parent pauvre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez interpellant. Mais à côté de ça, je pense que voilà, on ne pourra pas avancer en ne traitant qu'un seul axe de cette fameuse intersectionnalité, quoi. Donc la question du genre, quand moi je sors dans la rue, je me sens discriminée, ou je ne sais pas si c'est parce que je suis noire, ou si c'est parce que je suis une travailleuse sans emploi, ou si c'est parce que je suis lesbienne. Donc je pense que il y a cette convergence permet de se retrouver sur une forme de point commun, mais ne devrait pas nous empêcher de réfléchir à nos propres privilèges, etc. Et je vais finir ma minute en... Ça me renvoie d'office à ce bouquin que vous avez reçu, hein, que je n'aurais de cesse de recommander, tellement il est La Révolution féministe d'Aurore Cochelin, qui est hyper intéressant justement sur ces questions-là et sur parfois les angles morts qu'on peut avoir quand on travaille que sur la question de classe ou que sur la question de la race ou que sur la question du genre. Ça me semble être un non-sens. Merci Joël. Jia ? On ne t'entend pas, Jia, ton micro. Mute. Oui, je voulais juste rajouter que pour comment est-ce que la société aussi actuelle façonne le consentement volontaire ? Comment cette perpétuation du lien entre le racisme et le capitalisme, il se fait, c'est d'analyser les rouages, et on le voit justement dans la criminalisation, tu vas mieux le dire que moi, de l'immigration. On le voit aussi vraiment même dans le traitement médiatique, comment les personnes racisées sont tout le temps criminalisées. On l'a vu malheureusement avec la bavure policière, le meurtre d'Adil Charot pendant le confinement. C'est-à-dire que la faute, la société, le traitement médiatique remet la faute sur les fauteurs de troubles ou ceux qui n'ont pas respecté. Donc cette criminalisation des personnes racisées permet aussi de maintenir ce statu quo entre le capitalisme et le racisme. Et pour terminer, je conseillerais le livre d'Elsa Dorelin, « Se défendre, philosophie d'une violence », qui renvoie justement que la violence finalement urbaine, si on doit la nommer, elle n'est rien par rapport à la violence institutionnelle, quoi, étatique. Voilà. Emel, un tout petit mot ? Ok, alors on passe aux questions. Encore un peu de courage à toutes nos intervenantes et nos intervenants. Alors la première, Kamal, c'est un commentaire. Le racisme d'État ne veut pas dire État raciste comme le nazisme, l'apartheid en Afrique du Sud ou la ségrégation raciale aux États-Unis. Cela signifie que l'État, par ses lois, son État, sa justice, ses médias
et ses institutions propagent le racisme. Voilà, ça c'est un commentaire de Kamal sur lequel, si vous avez envie, vous pouvez rebondir. Je prends encore deux autres commentaires questions. Anne Groza demande, est-ce que le temps de l'esclavage est fini? Comment changer les mentalités? Leïla demande, il faudrait ajouter la question des sans-papiers sous catégorie professionnelle. Voilà, je vous propose de rebondir sur ces trois-là. Faites-moi signe si vous voulez rebondir. Joël, je te sens parti, oui. Vas-y, ton micro. Je vais intervenir. Alors, est-ce que le temps de l'esclavage est fini? Toute la question, c'est quoi le temps de l'esclavage? Après, comme je disais tout à l'heure, en parlant des racismes et du racisme, il y a toujours lieu de contextualiser. On parle bien d'esclavage moderne aujourd'hui pour parler de ces femmes qui, majoritairement philippines, ou qui viennent travailler, qui sont littéralement privées de toute existence sociale, etc. Maintenant, je ne sais pas si la question, c'est de savoir si le temps de l'esclavage est fini, parce que poser la question, c'est y répondre. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'esclavage? Il est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance parfois, les gens utilisent le terme d'esclave à tout va, et ce qui peut être quand même une violence aussi pour les personnes qui sont directement descendants ou descendantes d'esclaves. Après, bon, au-delà de la manière dont le terme est utilisé, ça recouvre quand même une question d'exploitation, ça recouvre quand même une question de domination. Et donc, je reviens sur ce terme qui est quand même important, sur comment on peut remplacer, est-ce que le temps de la colonie est fini? Donc, comment est-ce qu'on se décolonise? Comment on arrive à changer de paradigme, etc. Je ne sais pas s'il est fini, c'est peut-être pas encore le grand soir, mais en tout cas, on y travaille. Ça, c'est certain. Et je pense que on a l'erreur, peut-être souvent, de s'imaginer ou de penser que le racisme ou la colonisation ou la violence raciste va revêtir des vêtements très très évidents, très objectifs, très ça va être extrêmement frontal. Et ce que disait Kamal au début, enfin voilà, c'est un État qui a des moyens racistes, les médias, les politiques, etc., qui va le distiller de manière extrêmement parfois subtile. Et c'est en ça que c'est important de se désesclavagiser, si je puis me permettre, ou de se décoloniser les esprits pour parvenir aussi à lire entre les lignes, parvenir à décrypter ces systèmes, ces travers, ces discriminations racistes et esclavagistes. Quoi. Donc non, le temps n'y est pas encore, mais on y travaille. Quoi. Voilà. Et oui, la question évidemment des sans-papiers qui est quand même, la personne l'a très bien dit, je pense que les quand même cristallise tout ce qu'on peut, on peut imaginer en termes de violence. Aujourd'hui, il y a à Bruxelles ce groupe qui s'appelle Rainbows United et qui n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais qui est un groupe qui rassemble quand même les personnes sans papier qui quittent leur pays parce qu'elles sont gays, lesbiennes, trans, etc. Donc, en plus du fait d'être racialisées, racisées, en plus de se retrouver sans papier, de devoir travailler au noir, elles doivent faire face aussi à cette discrimination par rapport à leur identité de genre et à leur orientation sexuelle, si tant est qu'on ait une orientation quelconque. Et donc, je pense que effectivement, et c'est ça qui a été très important et qui a nous a permis quelque part, malgré les difficultés, de nous retrouver le 7 juin dernier, quand on a qu'il y a eu plein de polémiques sur est-ce que all Black Lives Matter, etc., etc. Oui, mais est-ce que les Noirs et pas les Arabes? Non. Quand on arrive dans une société à prendre en considération ceux qui se retrouvent au plus bas de l'échelle,
ça veut dire qu'on est quand même, on est capable de reprendre en considération aussi le reste. Si ça commence par là, on est capable, il me semble, de prendre aussi en compte le reste. Si on arrive à régler, même si ce n'est pas aussi simple, la question des sans-papiers, qui en soi n'est pas hyper compliquée, ben, voilà, il s'agit de permettre quand même à des hommes et des femmes de vivre dignement et voilà, d'avoir une sorte d'existence sociale. Ben, je pense qu'on peut alors avancer sur d'autres catégories. Quoi. Voilà. Emel, tu voulais aussi rebondir. Pour les autres intervenants, faites-moi un signe par vidéo ou bien mettez-le dans le chat, comme ça vous savez, si vous voulez intervenir. Emel, je t'en prie. Je voulais répondre à la question sur comment changer les mentalités. En fait, il faut agir à deux niveaux, comme je l'ai expliqué. Il faut mener la lutte culturelle, donc il faut, partout où on est, autour de soi, parmi ses amis, dans le quartier où on est, dans les lieux de travail, voilà, il faut intervenir, il faut mener ce combat-là, comme j'expliquais, pour diminuer les préjugés, les stéréotypes et gagner l'hégémonie. Maintenant, pour aller plus vite, on voit que c'est la lutte collective, les actions collectives et mener des projets collectifs. Tous les psychosociologues et pédagogues sont d'accord sur une chose, c'est comment est-ce qu'on diminue les préjugés et les stéréotypes de quelqu'un. C'est quand les gens qui ont des préjugés et des stéréotypes les uns avec les autres travaillent ensemble autour d'un projet commun, d'une action commune, autour d'un intérêt commun. Et ça se fait sur le moyen long terme. Donc, il y a besoin du temps pour changer les mentalités. Ce n'est pas quelque chose qui change rapidement, quoi. Donc, il faut jouer sur le temps. Mais il faut mener l'action, parce que c'est par l'action que la conscience augmente, et donc on gagne de la vitesse. Mais voilà, il faut travailler sur les deux niveaux, et malheureusement, voilà, c'est pas sur Facebook que ça va se passer, quoi. C'est dans la vraie vie qu'il faut mener ce travail, quoi. Khadija, je t'en prie. Ton micro, juste, Khadija. Pardon, ouais. Juste 30 secondes sur la question de l'esclavage. Moi, je suis aussi d'avis. L'esclavage, c'est quelque chose de très spécifique dans l'histoire qui est une violence, qui est d'une violence extrême, parce qu'en fait, c'est la négation même de l'humanité des personnes qui sont soumises en esclavage dont il est question, c'est-à-dire que ces personnes n'existent plus pour elles-mêmes. En fait, elles sont réduites à l'état de biens meubles qui sont à la disposition de leur maître. Et moi, je suis d'avis, pour ce type de violence-là, de ne pas euphémiser ce genre de mots, en fait. On a tendance à utiliser ce mot un peu à tort et à travers pour désigner des formes d'exploitation économique qu'on vivrait nous-mêmes dans nos sociétés du Nord. Je pense que c'est faire violence une deuxième fois aux victimes de l'esclavage que de recourir à cette terminologie. Il vaut mieux laisser l'esclavage là où il est et pouvoir le considérer dans son historicité plutôt que de l'utiliser à tort et à travers, un peu comme le mot lynchage qui est utilisé comme ça de manière assez inconséquente. Alors, sur la question du changement de mentalité, moi j'ai l'impression qu'on revient en fait avec cette question-là au problème qu'on posait au départ de savoir ce que c'est le racisme. Et il me semblait qu'on avait levé en fait cette ambiguïté de savoir est-ce que le racisme c'est quelque chose de l'ordre moral ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre systémique et du rapport de pouvoir. Et avec cette question-là, ben en fait, on retombe finalement dans le registre purement moral, à savoir que le racisme serait une potentialité humaine qui est tout à fait abstraite et qui serait liée à la psychologie des préjugés. Et donc, en travaillant sur les préjugés et en travaillant sur les mentalités, on ferait avancer la cause. Mais pas du tout. Enfin, moi, je vois depuis la mobilisation du 7 mai, avec tous les débats auxquels on assiste, pas mal de choses qui circulent, notamment ce jeu check tes privilèges qui s'adresse aux blancs, et on est censé compter sur ses doigts combien de privilèges on a. Il nous reste
Ok, c'est très bien. Une fois qu'on a pris conscience de ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est réduire à nouveau la question du racisme à une dimension purement individuelle et on est de nouveau ressorti de la sphère purement, de la sphère systémique. Donc, on est de nouveau dans cette antinomie et cette contradiction qu'on cherche à lever. Donc, il me semble que comme ça, on ne va pas en sortir, en fait. On ne va pas en sortir. C'est véritablement par le rapport de force politique. Il faut en finir une fois pour toutes avec cette idée de l'éducation populaire qui va faire avancer la lutte antiraciste. C'est par le rapport de force politique sur le terrain des luttes qu'on construit ce rapport de force et qu'on va gagner du terrain et construire finalement des alliances politiques sur des stratégies, sur base de stratégies qui sont... Qui sont partagées et qui sont admises. Mais abandonnons cette question de l'éducation comme clé de tout. C'est exactement ça. Donc, on dénonce une IA, mais finalement, on retombe dans le même travers. Donc, il y a quelque chose à travailler, une contradiction fondamentale qui a lieu de lever. Et cette question de la pédagogie, parce que sinon, c'est nous, antiracistes, qui vivons le racisme, qui sommes tout le temps contraints à la pédagogie. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, ben c'est extrêmement fatigant et c'est même épuisant, en fait. Donc, dépassons une bonne fois pour toutes ce stade-là et mettons-nous d'accord sur ce qu'est le racisme et ce que doit être une lutte antiraciste politique. Voilà. Alors, donc, effectivement, il y a vraiment la question de ce premier niveau d'action qui est celui du rapport de force, c'est-à-dire à un moment, on n'attend pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec nous, on fonce et on essaye d'introduire un rapport de force non négociable. Voilà. Je passe aux trois autres questions. Alors... Moreau demande quel rôle pour le mouvement syndical et la gauche politique dans la bataille contre les racismes. À l'inverse, est-il possible de vaincre le racisme à coup de Barack Obama ou de Zuhal Demir? Autre question, Élise, si toutes les personnes différentes devaient manifester, il faudrait pouvoir créer une convergence des luttes. Femmes, noirs, marocains, arabes, réfugiés, LGBT, homosexuels, roux, grands, petits, handicapés et j'en passe. Aujourd'hui, la communauté des personnes à la peau colorée est mise en valeur. Demain, une autre lutte verra le jour. Hier, nous parlions de la condition des femmes sans que les trois aient pris la peine de se rencontrer. Voilà, je pense qu'il y aura une série de choses sur lesquelles revenir si vous le désirez. Et la question suivante, racisme n'a-t-il pas été inventé? Le racisme, donc par Eva, je pense. Voilà, je retrouve le nom. Voilà. Le racisme n'a-t-il pas été inventé par les classes dominantes pour justifier leur exploitation au travers de politiques antisociales? S'appuyant sur le racisme via ceux qui exploitent et aliènent les travailleurs et les travailleuses, et aussi les non-travailleurs-travailleuses, à savoir les capitalistes. Lutte des classes et anticapitalisme sont indéniablement liés. Ah oui, donc celle-là, c'était pas de Eva, c'était de Mathieu. Voilà. Et il reste une dernière question. Je vous la mets dans le lot, si ça va pour vous. Je vous la mets dans le lot. D'accord. Eva Maria qui demande comment recomposer aujourd'hui un front uni qui respecte les identités pour mettre à distance les exploités des dominants et tisser de nouvelles solidarités avec le rang des surexploités. Une nouvelle vague féministe, notamment, se positionne sur la question lorsqu'elle dénonce les privilèges, très vite et trop souvent éludés par la majorité dominante. Clairement, l'alliance entre les exploités et l'élite bourgeoise, soutenue par la gauche caviar, mais pas seulement. Voilà, et je pense on a clôturé, je pense qu'il y avait peut-être d'autres questions qui venaient, mais donc on a clôturé les questions là, donc je vous propose de rebondir sur ce que vous avez envie. Je vois que Henri, tu veux réagir? Je t'en prie. Alors, je ne réagis que sur une question, c'est celle qui concerne le mouvement syndical. Dans les résolutions de congrès, dans les
les positions qui sont affirmées, les engagements publics. Il n'y a rien à redire, les syndicats sont du bon côté. On peut estimer simplement qu'ils n'accordent peut-être pas assez d'importance à tout ça. Sauf sur une question qui n'est pas négligeable parce que ça concerne des dizaines de milliers de femmes racisées, c'est la question du foulard. Alors là-dessus, c'est tout à fait différent. Il faut savoir que nous avons en Belgique, francophone particulièrement, en Flandre aussi, mais c'est dans la Wallonie et Bruxelles de gauche que c'est le pire. Nous avons des règlements d'entreprise, ça vaut pour le public comme pour le privé, qui interdisent le port du foulard aux employés. Ces règlements ne peuvent jamais être pris uniquement sur décision patronale. Tout ce qui concerne le dress code doit toujours être négocié dans les instances paritaires. C'est impossible que des règlements d'interdiction soient pris si les syndicats votent contre. Et si ces règlements sont pris, c'est que les syndicats votent pour. Alors l'affaire est un petit peu différente à la CSC et à la FGTB. La FGTB, qui est mon syndicat, qui est historiquement le syndicat le plus à gauche, le plus combatif de Belgique, est en même temps complètement infesté par une idéologie complètement dépassée, franchouillarde, qui considère qu'un parti de gauche doit lutter contre l'obscurantisme religieux et donc doit protéger les femmes d'elles-mêmes. C'est pour la même raison d'ailleurs que la gauche s'est battue contre le droit de vote des femmes pendant longtemps en Belgique, puisqu'on estimait, elle estimait, que les femmes étaient sous l'influence de leur curé et qu'elles voteraient donc pour la droite. Ça, cette espèce de paternalisme éclairé, despotisme prétendument éclairé, se retrouve dans la question du foulard, ce qui fait que des dizaines de milliers de femmes sont privées d'emplois publics et privés avec la complicité syndicale. Alors là, c'est une véritable catastrophe. Non seulement le mouvement syndical qui prétend être pour l'émancipation de tous et toutes, qui se bat contre le colonialisme reproduit à l'intérieur même de ses propres frontières, ne défend même pas ses propres affiliés dans ces questions-là. Et une des conséquences de ça, c'est que les personnes qui sont visées par ça et pour qui cette affaire est plus importante que tout le reste, ne voient plus du tout l'intérêt pour elles de se syndiquer et de participer aux batailles collectives. Si on ne défend même pas leurs droits démocratiques minimum, à ce moment-là, ce n'est plus nécessaire. Et j'en connais qui disent, moi, pour quelle raison je dois encore me syndiquer, on ne me défend même pas. Alors ça, ce n'est pas des grands discours, c'est extrêmement précis. Si vous êtes sensible à ça, et si vous êtes syndiqué surtout à la FGTB, à CSC, ça va un petit peu mieux. Mais si vous êtes syndiqué, faites changer votre syndicat là-dessus. Battez-vous dans vos sections d'entreprise, faites bouger les règlements d'ordre intérieur, c'est possible. Il y a quelques avancées, bon, maintenant le domino est à la STIB ou quelque chose se passe autour de ça. Mais ça, c'est véritablement important. Parce que c'est une décision qui peut perpétuer l'exclusion d'une partie de notre population qui est déjà très exclue, ou au contraire, l'inclure dans les voies collectives. À ce moment-là, tout ce que raconte Amel peut commencer à prendre un petit peu, ça peut un peu se matérialiser, parce qu'on lutte tous ensemble, même si c'est un problème qui ne concerne pas tout le monde. Voilà. Khalidja ? Oui, non, c'était juste pour sur cette question-là pour rappeler l'action du 5 juillet, Hijabis Fight Back Protest, qui est organisée donc à la suite de l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle et qui rend donc légitime l'interdiction du foulard dans l'enseignement supérieur, donc dans les hautes écoles comme dans les universités. Et donc voilà, donc c'est une grande mobilisation qui est portée par les premières concernées et qui vise à visibiliser cette discrimination qui n'est pas reconnue encore suffisamment comme étant du racisme en fait. On ne considère pas nécessairement que la question de l'exclusion des femmes voilées relève du racisme. Or, c'en est évidemment bien un. C'est un racisme éminemment matériel parce que on les cantonne en fait aux marges de la société, aux marges de l'enseignement, aux marges du marché de l'emploi, réduites à faire des petits boulots et même lorsqu'elles étaient diplômées du supérieur, réduites à ne pas avoir accès à l'ensemble des emplois, notamment dans le secteur public. Et donc, c'est une question qui est éminemment politique et éminemment matérielle qu'il faut pouvoir considérer comme du racisme.
Merci Radita, j'allais justement en parler également. Donc on appelle vivement vraiment à suivre la mobilisation des étudiantes et autour du mouvement, du hashtag, comment dire, de la manifestation de Hijabi Fight Back. Joël, tu voulais aussi rebondir? Oui, je voulais, c'était pas sur la même question, mais c'est sur la question par rapport au fait que hier on se battait sur les droits des femmes et qu'aujourd'hui c'est les personnes noires, etc. Un peu comme quand on dit Black Lives Matter is the new black, quoi. C'est un peu dit et à la mode. Et en fait, ça rejoint, je pense qu'il y a une remarque dans le chat où on dit que bah, l'éducation populaire, c'est ce qui permet de faire un rapport de force. Moi, il me semble qu'au-delà de cette question, est-ce qu'on embrasse la cause des Noirs, on va dire, ou la cause des femmes voilées, ou est-ce qu'on embrasse la cause des LGBT? Je pense qu'il y a, aussi surtout quel est l'objectif. Certes, l'éducation, moi je viens du non-marchand, de l'éducation permanente, et je pense très fort que c'est un travail important et nécessaire, sauf que ça devient problématique à partir du moment où on considère qu'une fois qu'on a fait sa formation sur l'ABC du racisme, ben voilà, on est bon et on peut aller se coucher parce qu'on a fait son devoir et on est tranquille. Or, comme le disait Emel tout à l'heure, c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a lieu d'avoir ce type d'approche-là, d'éducation populaire, parce que finalement, on se nourrit les uns les autres et que je pense que c'est vraiment un outil magnifique. Maintenant, au-delà de ça, la question, c'est est-ce que le fait d'avoir une éducation permanente, populaire, ça fait de nous une force réformiste ou une force révolutionnaire? La question, elle est là aussi. Qu'est-ce qu'on en fait et vers quoi on tend? Et pour aussi rejoindre ce que disait Khadija tout à l'heure, c'est le fait que souvent, la charge mentale va incomber aux premières personnes concernées d'expliquer, de dire pourquoi, de comment, etc. Alors certes, c'est important, je pense, indispensable d'aller à cette formation pour défendre les droits des femmes, pour défendre les droits des personnes racisées, pour défendre X, Y, Z, mais je pense qu'il y a un travail qui est individuel et qui est personnel à faire. Et on parlait tout d'Amel, parlait tout à l'heure de Facebook. Peut-être que la révolution, certainement que la révolution ne se fera pas via Facebook, mais je pense qu'il y a plein d'autres outils où on peut aller chercher l'info, on peut se nourrir. Peut-être que l'éducation permanente, c'est parce qu'il permet de pallier peut-être, mais tout le monde n'a pas accès comme ça aux internets, etc., etc. Mais je crois que c'est indispensable de faire un travail personnel, de faire sa révolution à soi pour collectivement ensuite aller vers une révolution et non plus une réforme. Tout à l'heure, Henri Goldman parlait de parler à vos syndicats, etc., etc. Ben voilà, on est là. Il faut que cette masse finalement de personnes qui moi y compris, hein, qui donnons des formations, qui allons, etc., constitue un contrepoids politique. Alors si c'est ça, effectivement, l'éducation populaire, l'éducation permanente a son importance, mais ça ne suffit pas. On se nourrit à titre personnel, on check ses privilèges, on le fait chez soi, et puis on continue collectivement, quoi. Et donc pour ça, ben voilà, on joint des groupes comme ceci, on en discute. Là, ce qu'on est en train de faire là aussi, me semble, s'apparente aussi quelque part à de l'éducation populaire et permanente, et voilà. Est-ce que l'un ou l'une ou l'autre d'entre vous voudrait encore réagir, Emel, sachant qu'on va vers la clôture? Voilà. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit et simplement rappeler que ce mouvement de masse mondiale, mais impressionnant aux États-Unis, ce n'est pas un mouvement spontané, c'est un mouvement qui est organisé avec des gens. Et c'est une spécificité évidemment américaine, hein, vu que l'État ne finance rien du tout au niveau associatif et tout ça, donc ce sont que des collectifs militants, mais qui font ce travail dans les quartiers, de travail d'éducation, d'organisation des gens, de mobilisation des gens, et donc toujours bien faire attention, parce que dans les milieux militants, on est souvent des universitaires, et donc
Là, on pense qu'on a accès à toutes les informations, mais la fracture numérique, elle existe réellement. On l'a constaté dans la pandémie, c'est entre 30 et 40% qui n'ont pas accès à ces médias-là. Donc, comment est-ce qu'on les touche si on ne va pas leur parler? Et voilà, c'est important aussi. Le 7 juin, c'était une manifestation vraiment que j'ai appelée historique parce que ça faisait très, très longtemps en Belgique qu'on n'avait plus eu. Pour moi, c'était 15 000 personnes. Mais si tu regardes la composition des gens qui étaient là, c'était très jeune, mais c'était des milieux hautement scolarisés. Les jeunes des quartiers, ils étaient peu présents dans cette mobilisation. Alors, il y a des raisons pour ça. Qui est la division du mouvement antiraciste, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait en profondeur avec eux, quoi. Donc, c'est vraiment les deux dimensions qu'il faut faire. Donc, je suis d'accord avec Khadija qu'il faut s'attaquer au racisme d'État et au structurel et à l'institutionnel, mais pour ça, il faut un rapport de force. Et pour le rapport de force, il faut avoir le nombre. Et donc, ce n'est pas par des petits groupes et par des mobilisations minoritaires qu'on peut y arriver. C'est pour ça qu'il faut construire des mouvements qui sont importants et qui peuvent peser. Et c'est tout ce travail-là qu'aux États-Unis, on voit le résultat. Il y a le côté émeute, mais c'était assez intéressant de voir, après l'émeute, en quelques jours, les émeutes ont disparu et l'action collective a été encore plus massive et encore plus radicale. Donc, on voit tout le travail qui a pu être fait à l'intérieur des organisations sur dire, voilà, le côté cassé, brûlé, donc c'est un signe un cri de rage, de haine, de révolte, d'indignation. Mais voilà, il faut pas malheureusement oublier que Trump il a été élu après le début de Black Lives Matter en 2013, quoi. Hein, donc ça provoque de l'émulation dans un camp, mais ça provoque des réactions dans l'autre camp, quoi. Et donc, il faut aussi tenir compte de ça pour construire des rapports de force. Gia, tu voulais aussi rebondir ? Ton micro. Pour avoir cette inclusion par rapport justement à cette jeunesse qui n'était pas formée, qui n'a pas été à l'université, il faut se rendre compte aussi à Bruxelles aujourd'hui, quels sont les espaces de radicale hospitalité qui inclut ces jeunes et qui ne sont pas étudiés ou en tout cas avec qui on ne dialogue pas comme des objets justement racisés qu'on utiliserait pour avoir des subsides par les associations. Moi, ce qui m'intéresse, si on fait justement cette lutte d'antiracisme politique qui est vraiment très importante, on a vu avec SOS Racisme dans les années 80 ce que ça a donné aujourd'hui, donc cette pédagogie politique qui doit être transmise aussi à la jeune génération qui n'est pas toujours formée avec des outils académiques, elle peut se faire à l'unique condition qu'il y ait évidemment une convergence des associations et des luttes, comme on a fait pour la manifestation du 7 juin. On a vraiment créé un consortium avec un dénominateur commun pour réussir cette mobilisation pacifique. Mais maintenant, je me demande quels sont les espaces vraiment politiquement libres qui peuvent accueillir vraiment ces jeunes et ces différents milieux pour réfléchir ensemble à un changement en société. Et moi, j'en vois pas beaucoup. De la nécessité de les construire, de la nécessité de les investir, de la nécessité de les rendre visibles, je pense que c'est une bonne manière de conclure le débat très riche, en fait, vraiment, de ce soir. Merci beaucoup, beaucoup pour vos interventions, pour vos contributions. Je me permets de rappeler aussi, quand on parle voilà, de la nécessité de s'organiser, la nécessité de déjà maintenant se voir, s'organiser, réfléchir ensemble, penser stratégie, penser quel milieu on investit, comment on les investit, avec quelles revendications on vient. Cette nécessité-là, ben, je fais le lien avec un autre live qu'on fait samedi avec deux personnes majeures, Titi Bhattacharya et Malik Mia du mouvement Black Lives Matter et de la lutte antiraciste aux États-Unis. On fait un live à 20h, si je ne m'abuse, samedi. Vous trouverez toutes les infos sur Facebook et sur le site internet de la gauche anticapitaliste.
pour approfondir cette question de comment, enfin, de comment on s'organise, de comment est-ce qu'on saisit les brèches dans le système, comment on les investit et comment on y va à fond, comment on y croit et comment on re-respire et comment on y retourne. Voilà. Et donc, voilà, je rappelle aussi, bien sûr, comment dire, la manifestation rappelée par Khadija de Hijabi Fights Back le 5 juillet à 15h de mémoire. Je pense devant l'école Francisco Ferrer, mais je ne suis pas sûre si vous avez... Donc voilà, il y a aussi toutes les informations disponibles sur Facebook depuis toujours, mais principalement avec le confinement, la crise sanitaire, le mouvement des sans-papiers aussi est présent presque toutes les semaines pour arracher la régularisation. J'espère qu'on s'y retrouvera aussi. En tout cas, à bientôt, autour d'un petit café ou dans la rue, mais à bientôt. Merci à toutes. Merci à tous.